Alors, est-ce que tout le monde est prêt? On va débuter. Excellent. Donc, bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Mont-Anime du mercredi 27 mars 2024. Ouverture de la réunion, appel nominal et absence motivée. Madame la directrice. Merci, Madame la Présidente. Il y a bien sûr vous-même, conseillère Grenier. Il y a également la conseillère Dufour-Séguin, la conseillère Akiao, le conseiller Blais. Merci. Est-ce que... Non, parmi nous, c'est beau. Absence motivée. La conseillère Deschênes, le conseiller Jensen, le conseiller Quilomundo, le conseiller Lévesque, la conseillère Petitpas, le conseiller Philomé, la conseillère Thibideau, l'élève conseillère Géranga, l'élève conseiller Saillé. Au niveau des membres du personnel du conseil, il y a moi-même, il y a également le surintendant de l'éducation Bergeron, le chef des affaires Chin, la surintendante de l'éducation Crète, surintendant de l'éducation Iskander. Il y a également la directrice exécutive du service des relations corporatives, Madame Michal Joly, le surintendant de l'éducation Mani, le chef administratif Nguyen Van Mee. Également avec nous, nous avons notre conseiller aux affaires diocésaines et scolaires, M. Sébastien Lacroix, l'administrateur du système du service des ressources informatiques, M. Laval-Lay, et également Mme Chantal Perron, agente aux affaires du service des relations corporatives et du conseil. Nous avons également dans la salle des invités très spéciaux et spéciales. Il y a M. Philippe Desjardins, le directeur de l'école... Et presque dit encore, l'école secondaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf, bonsoir. Et la direction adjointe de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf, M. Marc Bovini, bonjour. M. Éric Lamonté, l'enseignant responsable de la MHS TIC de cette même école, ainsi que Mme McGuinness, la conseillère en orientation et responsable des MHS. Il y a également Mme Julie Roy, enseignante au programme Project Search, et parmi nous aussi en ligne, il y a Mme Maude Rostin, direction du service d'éducation spécialisée. Ceci conclut les présences pour la soirée. Merci. Est-ce qu'on peut continuer avec la reconnaissance des territoires autochtones? Merci. Nous aimerions prendre un moment pour remercier et rendre hommage aux nombreux peuples autochtones de l'île de la Tortue qui résident sur les terres de la zone du CSC Mon Avenir depuis des temps immémoriaux, notamment les nations Anishinaabeg, Haudenosaunee et Wendat. Ces terres sont régies par le Pacte de la Ceinture Wampum, faisant référence au concept du bol à une seule cuillère, visant à préserver et à partager pacifiquement les ressources de la région des Grands Lacs. Nous reconnaissons que le territoire des cessions des terres du Haut-Canada, 1764 à 1862, et les traités Williams de 1923, nous permettent de jouir encore de nos jours de toutes les richesses que celui-ci nous offre. Pour honorer ces accords, nous assumerons notre responsabilité de respecter les traditions, les connaissances et les droits inhérents des peuples des Premières Nations, Métis et Inuits. Le CSC Mon Avenir reconnaît qu'aujourd'hui, les descendants de nombreux peuples autochtones vivent et contribuent à la vitalité de la société à travers notre vaste territoire. Nous reconnaissons notre responsabilité de respecter et de prendre soin des terres et des eaux pour les générations futures. Merci beaucoup. Et pour la prière d'ouverture, puisque nous avons la chance d'avoir Sébastien Lacroix avec nous, j'imagine que je te passe la parole, Sébastien, c'est ça? Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je vais partager mon écran de nouveau. Voilà, le revoyez, comme moi. Alors, j'ai reçu parfois, comme dans nos fonctions, on reçoit des petites vidéos, des petites photos, des belles choses qui se passent dans l'école. Et puis, j'ai reçu ça ce matin de l'école Saint-Charles Garnier, qui inspire la prière de ce soir. Dans le cadre de la pédagogie du Bon Berger, inspirée de la catéchèse du Bon Berger avec les petits de maternelle jardin, on avait fait appel à une enseignante d'art à Saint-Charles Garnier pour conceptualiser et réaliser le tombeau de Jésus. Ce qu'elle a fait de manière extraordinaire pour les petits et résistants en passant. Là, ici, c'est autre chose que j'ai reçu ce matin. Ce n'est pas le format maternel-jardin, c'est le format grandeur nature du tombeau de Jésus. Et c'est à partir de cette image en vidéo que nous allons prier ce soir.
Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marie-Madeleine, toute troublée, court vers Simon-Pierre et l'autre disciple. Que cherche-t-elle? À leur tour, les deux disciples se mettent à courir ensemble vers le tombeau. Que cherche-t-il? Ils cherchent avec grande hâte et urgence où se trouve désormais le Seigneur. Venez et vous verrez, avait dit Jésus. Comment dans ma vie se manifeste cet élan pour chercher Dieu et le rencontrer? Seigneur, toi qui es la résurrection et la vie, suscite en nous, nos collègues, les élèves et leurs familles, le désir de s'approcher de toi pour renouveler cette alliance nouvelle que tu as voulu sceller une fois pour toutes par ta croix. Nous te le demandons à toi qui nous aimes pour l'éternité, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, la prière est inspirée de Prier en chemin, les Jésuites, dont j'ai tiré des éléments ce soir. Et puis, je veux remercier Madame Ginette Tremblay, toi-même, de Saint-Charles-Garnier, qui a fait ça pour l'école et la communauté paroissiale également, qui peut le visiter. Joyeuse Pâques. Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien. J'apprécie ta présence. Tu es le bienvenu de rester, mais on comprend si tu quittes. Bonne fin de soirée. On continue. Point 3, déclaration de conflit d'intérêt par rapport au sujet discuté. Point 4, audition des contribuables délégation sans objet. Point 5, présentation de services aux nouvelles du système. Donc le 5.1, l'école secondaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf, équipe de basketball, au FSA et... Pardon? Mon Dieu, excusez-moi, la tête tombe depuis toujours. Excusez-moi. Point 2, excusez-moi. Ça marche arrière. On recommence. Point 2, adoption de l'ordre du jour en proposeur, conseiller Jensen, et ça sera une modifiée. Et que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 27 mars 2024 sous la forme modifiée. C'est appuyé par conseiller Coulomondo. Donc, la modification est au 11.4.8. On avait oublié d'ajouter la destruction des bulletins de vote après le vote. Donc, il y a un ajout à 11.4.8. Questions, commentaires? On passe au vote pour adopter. Merci. Donc, on retourne maintenant à 5.1. Donc, l'école secondaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf, l'équipe de basketball, Madame la directrice. Merci, Madame la Présidente. Je vais céder la parole au surintendant, Monsieur Frédéric Bergeron, qui nous présentera le programme de l'équipe de basketball, des joies, des bonheurs que cette équipe apporte à l'école secondaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf. Puis par la suite, je vais céder la parole également à Madame Crête, qui nous parlera du projet Search. Merci tout le monde. On est très heureux aujourd'hui de recevoir certains membres du personnel de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf pour un programme double. Donc, comme vous avez pu l'entendre, il y aura une présentation sur le tournoi de basketball AFSA, donc tournoi provincial dont l'école secondaire a été hôte au mois de mars dernier. Et en deuxième partie, un projet, une première en français au monde, le projet qu'on appelle Project Search. Donc, j'invite Madame McGuinness, Monsieur Desjardins, Monsieur Bovini, Madame Roy et Monsieur Labonté à vous présenter ces deux projets. Donc, premièrement, je veux vous remercier pour l'invitation pour deux choses qui nous tiennent beaucoup à cœur à l'école, les deux projets, les gros projets qu'on a depuis quelques années, qu'on travaille dessus depuis quelques années. Mais principalement, on veut vraiment présenter le projet AFSA et tout ce que ça inclut au niveau de la diffusion en direct, etc. Ça, c'est le gros de ce projet-là. Et ensuite, on va continuer avec Project Search. Mais juste au niveau juste pour vous partager, premièrement, et remercier le conseil pour leur appui pour le championnat provincial de basketball masculin dont on a été hôte au mois de mars. Donc, on peut toujours compter sur le conseil pour leur contribution.
On passe par Michael et elle dit on doit appuyer ce genre de projet. Donc, on vous remercie beaucoup pour ça. Juste quelques données, c'est à la deuxième tuile qu'on peut partager. C'est le cinquième AFSA qu'on organise. Donc, nous autres, c'est notre façon de redonner au sport scolaire pour les élèves. C'est le cinquième dont nous sommes hôtes depuis, je dirais, Anna saurait ça, peut-être l'année 2014. Donc, ce ne sont pas des petits projets, ça s'organise, ça commence à se planifier l'année avant. Mais on pourrait voir, tout dépendant dans quel sport dont nous sommes hôtes, on peut avoir jusqu'à une trentaine à une centaine de bénévoles. Donc, c'est vraiment un projet d'école. On implique les élèves, ça développe le sentiment d'appartenance, de fierté envers leur école. Ça implique plusieurs membres du personnel qui travaillent conjointement avec les élèves. On parle de 16 à 20 équipes qui viennent dans la péninsule. Donc, au niveau économique aussi, justement hier, on a eu une rencontre avec le maire de la ville et il nous partageait comment est-ce qu'on contribue énormément à faire venir des activités de ce genre-là dans la région du Niagara. Donc, on parle d'une soixantaine d'entraîneurs, 260 à 300 athlètes qui viennent dans la région. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. À la prochaine tuile, si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, on a le lien pour le programme. C'est pour moi, il y a le mot de Nicole là. Les choses promotionnelles au niveau du conseil qu'on insère à l'intérieur du programme. Mais je veux vraiment qu'on prenne le temps de vous présenter tout l'aspect de la diffusion en direct. Parce que c'est quand même quelque chose qui a évolué depuis plusieurs années. Et je vais donner la parole à l'architecte de ça, donc M. Luc Labonté, qui va être capable de vous mettre en contexte. Bonsoir. Merci de m'avoir accueilli ce soir. Premièrement, on a commencé notre diffusion directe en 2014. Ici, on a juste un petit aperçu de l'écran qui est en attente pour le match qui arrive, puis un petit vidéo qui fait l'introduction au match qu'on a développé. Donc, on a des éléments graphiques. Si on peut jouer la petite vidéo. Donc, on a certainement évolué depuis le début. Puis, si on voit la prochaine tuile, on a un peu un historique. Au début, en 2014, on avait juste deux petits webcams d'installer sur un poste au centre du gymnase qui démontrait le côté gauche et le côté droit du terrain de volleyball. On avait juste une petite caméra stationnaire en haut dans le gymnase. Puis, on a été capable de quand même donner une expérience aux spectateurs. Puis, au fur et à mesure que les années ont passé, on a vraiment bâti notre système à quelque chose qui est très, très exceptionnel. D'ailleurs, les commentaires auxquels que les entraîneurs et les parents qui sont sur site lors du tournoi, ils ont de la parenté à l'extérieur, puis ils leur demandent de, s'il vous plaît, aller voir l'équipe technique pour leur dire que le produit que vous livrez est au-delà de leurs attentes. Donc, on est rendu maintenant avec quatre caméscopes. On a une caméra robotique, comme on peut voir dans l'image au centre. C'est une caméra qui suit l'action automatiquement, le tout qui se passe sur le terrain. On a le logiciel de diffusion. On intègre des micros sans fil, des micros sur terrain qui vient absorber vraiment les coups de souliers contre le plancher. Donc, on a une expérience qu'on connaît vraiment sur le terrain ou parmi eux. On a des cases de communication entre nos membres d'équipe pour s'assurer que la production est bien livrée. On a été capable d'insérer des annonces publicitaires à l'intérieur de notre diffusion aussi. Et beaucoup, beaucoup de notre graphisme vient de la suite Adobe Creative Cloud, qui est une gracieuseté du conseil, qui a un nombre de licences qu'ils accordent aux écoles secondaires. Donc, la prochaine tuile. J'ai essayé de compiler le plus rapidement que possible qu'est-ce qu'on a fait dans le passé et où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, le premier 30 à 40 secondes, ça démontre un peu nos premières diffusions. Et par après, vous allez voir la diffusion auquel il y a des annonces intégrées. On a fait des entrevues avec les entraîneurs, les graphismes additionnels. Donc, sans plus tarder, petite vidéo de 2 minutes.
petite caméra stationnaire là, avec une lentille pour essayer de capturer tout le terrain. Sur l'échafaudage. Sur l'échafaudage, c'est ça. Ils ont l'air tellement petits, tout le monde a l'air... Avec notre certification. De travail en hauteur. On n'a pas de duo, hein, par contre? Non. Non, OK. C'est bon. On aurait entendu la voix de M. Desjardins dans la première diffusion, le commentateur. Là, on évolue où est-ce qu'on a beaucoup des graphismes, on intègre les logos de les écoles, on fait de la recherche, on crée nos animations pour l'introduction des matchs avec le logo officiel du tournoi. Vous allez voir que la capture d'écran, ça c'est notre robot qui suit automatique. Ça c'est une caméra stationnaire dans un des coins. Puis on transitionne entre les différentes vues possibles. L'audio, en tout cas, on aurait pu vraiment entendre, on entend vraiment les souliers frapper le terrain, là, le squeak, squeak, squeak. ça donne vraiment une expérience. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de sport ou non, là, mais ça donne vraiment une allusion que tu es dans le gymnase avec cette qualité d'audio-là. Ça, c'est une annonce publicitaire pour AFSA qu'on a été capable d'insérer à l'intérieur. Donc, on a souvent dit qu'on est comme le mini TSM, si vous voulez, d'après nos diffusions. Voilà une de nos élèves qui est dans la machine sport de notre école, Valérie, qui est en train de faire une entrevue avec l'entraîneur de Kenner, je crois. Oui. Puis le match est terminé, ça c'est l'équipe championne. Puis on les a invités de venir faire un petit message à leurs amis à distance de Peterborough. Donc voilà, l'historique si vous voulez un peu. Je vais vous laisser lire les prochaines tuiles. Il y a 4 tuiles, c'est des témoignages de les élèves qui ont été des bénévoles, qui ont participé. Donc j'ai recueilli beaucoup de leurs témoignages, puis je vous inviterai de faire cette petite courte lecture. Aiden ici fait allusion d'un élève du Collège Niagara. Vous allez voir dans une tuile qui va nous apparaître bientôt. On a établi un partenariat avec le Collège Niagara, non seulement pour ce tournoi, mais beaucoup pour nos liens de technologie dans les communications. Donc, j'aimerais céder la parole à Anne, qui va nous parler un peu des programmes MHS de l'école. Alors, on en a 3. On a aussi une MHS en construction, mais pour le tournoi AFSA, ça a vraiment impliqué nos élèves dans la MHS Tech et dans la MHS Sport. Puis, vous avez vu, une de nos élèves, c'est... Puis, la MHS Sport touche beaucoup de volets. Alors, il y a la promotion, le marketing, la photographie, la diffusion, la planification de l'événement. Mais vous avez vu, une de nos élèves, c'est Valérie. Puis, elle est une élève dans la MHS Sport qui voudrait aller dans du broadcasting ou quelque chose de ce genre-là. So, elle a trouvé ça une opportunité parfaite pour aller pratiquer ça. Elle est aussi Miss Universe Team Canada aussi, ou quelque chose de même. So, ça l'aide. Yeah, ça l'aide, elle avait tout un avis. Mais qu'est-ce qu'on aime de AFSA? C'est l'opportunité qu'on peut donner aux élèves de vivre des expériences en vraie vie, reliées au secteur, et ça les permet de découvrir une variété de professions. Alors, cette année, AFSA nous avait donné comme une plateforme pour faire la diffusion, mais même par le passé. Puis, on parle de AFSA, mais on est une école qui... On aime les sports. So, on a aussi des tournois franco, le tournoi Smash. On a fait beaucoup de tournois. Puis ça permet aux élèves d'aller découvrir toutes sortes de différents volets qui sont
je ne sais pas, c'est connect, c'est ça. So, les élèves peuvent nous aider avec, on a des élèves qui font du taping, on a des élèves qui font toutes sortes de formations et de certifications, puis là, ils peuvent les voir en action. Donc, ça aide à concrétiser l'apprentissage qu'ils font à l'école et le mettre en pratique. Et si tu penses à la prochaine tuile, ça va faire un peu un lien avec ce que Eric mentionnait au propos du Collège Niagara. C'est avant qu'on avait fait OFSA, nous avons fait une sortie avec le Collège Niagara, puis on a une collaboration où ils nous ont fait vivre, c'était une leçon ou le prof de journalisme nous a fait une leçon de comment écrire un article, comment faire une sortie de médias. Puis les élèves, après avoir suivi ceci, on les a apportés à une joute de basketball du collège. Puis ils se sont fait jumeler avec un élève qui est dans le programme au collège. Puis on fait leurs médias sociaux, les entrevues des athlètes, les statistiques, les données. Tout ce qui a à faire avec ce qu'ils font pour un peu leur programme de sport. Alors, ça l'a fait un peu un autre niveau de comment est-ce que je pourrais peut-être découvrir une profession reliée à mon expérience au secondaire. Je ne sais pas si tu veux continuer avec. On a de nos anciens qui sont rendus assez haut placés. Un de mes élèves que je travaille beaucoup avec, c'est Jonathan Kitoano, qui est responsable du son à plusieurs des matchs que vous avez regardés, les Maple Leafs, Toronto Raptors, plusieurs matchs de baseball, les Blue Jays, les championnats de curling, etc. Il semblerait que pour, j'oublie le nom de la compagnie, là, Dome Productions, je crois, il semblerait être l'homme à aller chercher quand ils veulent avoir une très bonne production audio sur leur diffusion. Donc, il mérite sa place. Puis, je fais toujours un petit effort spécial quand je vais voir un match de Raptors moi-même. J'y lance un petit message, puis il prend toujours le temps de venir me voir entre la moitié, puis on se rencontre, on se parle, puis on jase un peu. Donc. Puis il n'hésite pas de revenir. Non, il n'hésite pas de revenir. Il a fait des petites visites à l'école. Puis c'est un gradué du Collège Niagara aussi. Puis le prochain élève, c'est un élève qui faisait partie de la MHS Sport. Luc Grenier, il est un finissant du programme MHS Sport. Il a continué au Collège Niagara en gestion de sport. Puis par la suite, il a poursuivi ses études à l'Université de Nevada. Puis il est encore là. Puis si tu vas voir son LinkedIn, c'est incroyable. Il vient de finir de travailler avec le Formula One, avec les courses là, puis il a aidé à faire le marketing là. Puis là, je pense qu'il travaille avec le Aria, l'hôtel là, puis il crée des expériences pour les personnes qui visitent les touristes. So, puis il a travaillé avec le Nevada Golf Association, il y avait des photos, lui, au PGA. So, lui, il a vraiment, lui aussi revient à l'école, puis il a fait des rencontres avec nos élèves. Puis c'est des témoignages, puis là, les élèves peuvent voir un peu où leurs itinéraires peuvent leur apporter. Pour le Formula One, il gérait les clients de l'Arabie Saoudite. Il était debout dès les 3 heures du matin. Il vendait les blocs de 500 sièges à du 5 millions. C'était ça, sa job. Ça inclut les repas et l'hôtel, puis une auto pour toi et tes meilleurs amis. je l'ai rencontré juste avant le Formula One, puis il a même changé sa majeure, il s'est rendu là parce qu'il a vu que c'était ça qui l'intéressait, puis un petit God willing, petit God willing qui s'est rendu loin. Quelques images là, de notre équipe en production. On faisait des photos d'équipe. J'ai d'autres élèves volontaires derrière les stations qui géraient toute la diffusion, les caméras. Je pense qu'il y a un autre petit filtre d'images. OFSA a dit qu'il aimerait que ça devienne un standard au niveau de la province. Donc, ça, c'est un compliment incroyable pour ce qu'Éric a réussi. Puis l'année prochaine, on a OFSA, soccer, filles et garçons. Merci. Je vais juste transitionner. Merci beaucoup. Vraiment incroyable. Pour la deuxième partie, c'est le programme Project Search qui est un partenariat. Vous voyez, CSC Mon Avenir, Niagara Health, la marche des dissous, donc March of Dimes. Un projet qui nous tient bien à cœur et qui a eu une belle couverture médiatique. Donc, on vous apporte ça ce soir. Avec nous, donc, il y a Maude qui est en ligne, qui est la direction
un service d'éducation spécialisée qui chapeaute ce projet-là. C'est un projet, bien sûr, avec l'École Saint-Jean-de-Brébeuf, donc Marc Bovini, qui est notre direction adjointe, et qui a porté ce projet-là vraiment avec beaucoup de ferveur, et Julie Roy, qui est notre enseignante à Niagara Health, qui est avec nous. Alors, je vous donne la parole de plancher. Bien sûr, Philippe et son équipe qui soutiennent avec beaucoup d'énergie ce projet-là. Oui, nous aussi, on voulait vous remercier d'avoir nous accueillis tellement chaleureusement ce soir, mais ça, c'est un programme que je suis extrêmement fier. J'ai œuvré longtemps à aider et avec ces expériences-là, ça nous a apporté à ceci, mais c'est grâce à la surintendance, à la vision de la directrice aussi, qu'on a pu lancer ce programme dans la région du Niagara. Maude, je voulais te passer la parole pour décrire un peu les composantes du jeu. Est-ce que ça, c'est possible en ce moment? Absolument. Oui, bonsoir tout le monde. On est toujours voulant de nous partager. Absolument, avec grande fierté. Oui, merci de m'avoir invité également. Peut-être on va commencer avec la première diapo, mais c'est vraiment un projet, effectivement, on en est tous très, très fiers. Et puis, on va le dire tout de suite, surtout parce que c'est la première fois qu'un conseil francophone prend part à ce grand et beau projet. Certains dans la salle en ont déjà entendu parler, d'autres le découvrent peut-être, mais c'est ça. Donc, Project Search, en fait, est un organisme américain qui a été développé dans un hôpital à Cincinnati, donc aux États-Unis, mais qui maintenant compte plusieurs sites de par les États-Unis. États-Unis et le Canada, donc on a notamment 700 sites au niveau international et 10 au Canada. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre aux jeunes ayant des besoins particuliers d'obtenir un emploi concurrentiel. Et c'est vraiment, aujourd'hui, nous avons, donc il le montre là sur la photo, nous avons 4 jeunes qui viennent directement de Saint-Jean-de-Brébeuf et qui sont aujourd'hui au site de l'hôpital Niagara Health. J'y étais hier, j'y étais aujourd'hui et je peux encore à nouveau vous partager la fierté qu'ils ont d'être sur place. Et je pense que si on peut résumer ceci, c'est vraiment tout d'un coup, ils ont une lumière sur eux et ils ont de quoi être fiers. Alors que leur vie scolaire n'a pas toujours été très fluide et avec plusieurs obstacles. Donc, c'est vraiment ceci qu'on leur donne grâce à ce projet. C'est vraiment cette fierté et une place dans la société. Si on peut passer à la prochaine. Et Marc, tu me diras quand tu veux prendre la parole, sinon je ne m'arrêterai pas. Si tu veux continuer cette tuile-là, je peux continuer par la suite. C'est parfait. Donc, en fait, comment ça se passe, c'est qu'il y a un partenariat qui est extrêmement important. Donc, encore une fois, l'organisme Project Search chapeaute le tout, mais il y a 3 partenaires. Le conseil scolaire, donc nous autres, le CSC Mon Avenir, qui fournit l'enseignante, Julie Roy, qui est présente ici, et nos stagiaires, donc nos élèves qui sont devenus stagiaires, qui viennent directement de notre école secondaire au Niagara, donc Saint-Jean-de-Brébeuf. Mais on a aussi besoin, et on collabore étroitement avec donc Niagara Health qui est le site, donc ça c'est notre partenaire d'affaires qui a bien voulu accueillir ce projet et donc nous laisser une place, ne serait-ce qu'une salle de classe pour les après-midi pour nos stagiaires, mais aussi un autre partenaire qui est tout aussi important, le partenaire communautaire qui nous aide à l'emploi spécialisé, ça c'est March of Dimes et c'est eux avec leurs formateurs qui vont étudier un petit peu le marché du travail de la région et faire le pont entre nos stagiaires à Niagara Health et le marché du travail dans leur région. Parce que le but final, vraiment, le but ultime, c'est d'aider les stagiaires à trouver un emploi, que ce soit à Niagara Health ou à l'externe, dans la région du Niagara. Et voilà juste nos 3 partenaires, mais ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est ce que la salle de classe est à l'hôpital de Sainte-Catherine. So, tout l'enseignement se fait là-bas. Les jeunes développent une certaine autonomie avant d'arriver au programme. Ils se rendent au programme eux-mêmes, par autobus, par taxi, par voiture. Et dès qu'on se rend là, il y a un certain montant de la journée en matinée qu'on livre des leçons. Et par la suite, ils sont en 3 stages tout au long de l'année. On peut continuer. C'est en fait le contraire. Mm-hmm. On commence la journée en stage et on finit la journée en leçon. C'est le contraire. Oh, okay. en raison de notre hôpital, dont les élèves travaillent dans la cuisine, et après 1 heure, il n'y a rien qui se passe dans la cuisine de l'hôpital. Tout le monde quitte en même temps. Donc, on a fait le contraire. On commence en stage puis on finit en leçon. Ah! Mm-hmm. fait qu'on a 4 stagiaires.
Moi, je n'ai pas vraiment l'intention de lire les, les sujets quand on peut les lire nous-mêmes. On a 4 stagiaires, on est dans une belle classe, on a été accueillis chaleureusement. Tout le monde nous reconnaît, tout le monde nous dit bonjour. On parle d'élèves, si on peut mettre en contexte 2 minutes que c'est des élèves qui ont gradué de la 12e année, qui veut dire qu'ils ont commencé la 9e année en mars 2020, là, quand on a eu la COVID. Donc, il y en a de ces élèves-là qui ont pris avantage de l'enseignement à domicile autant que possible, puis ils ne sont pas venus à l'école avant leur septembre de 12e année. Donc, on a l'aspect social qui a joué un rôle dans leur vie pour ces élèves-là aussi. Fait que ça fait que non seulement ce qu'on enseigne, le curriculum de Project Search qui contient 12 unités, 38 attentes, qui contient la sécurité au travail et les bonnes relations au travail, mais on gère aussi le côté social, le côté amical, comment avoir des bonnes relations, ça joue un rôle là-dedans aussi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est justement ces statistiques-là. Si tu peux juste retourner pour une minute, ça c'est la partie très importante du projet, c'est que pour avoir un succès, c'est que l'enfant retient une position à quelque part, un emploi par la suite. Et Project Search, c'est 75% des membres qui vont être retenus l'année après. Et par la suite, March of Dimes vont accompagner les autres à trouver un emploi plus tard, quand ils sont prêts. Pendant 9 mois, après qu'ils ont fini, ils ont 9 mois d'appui de la marche des dissous pour leur aider à trouver un emploi. Fait que c'est des habiletés transférables. Si tu es dans une cuisine en train de préparer, aider à la préparation des mets, tu peux faire ça à l'hôpital autant que dans une résidence pour les personnes âgées. Si tu es en train de travailler dans le service de l'environnement, qui est dans le bon vieux temps, on appelait ça housekeeping, le service de l'environnement, que tu le fasses à l'hôpital ou que tu le fasses dans une résidence pour les personnes âgées, ça se transfère, ça se fait. Tu peux aller travailler aussi dans un hôtel à Niagara Falls ou dans le tourisme. Donc, c'est ça qui était le but. Oui, on voudrait bien, si possible, s'il y a des chances que Niagara Health les engage, on aimerait bien ça, mais c'est de se trouver un emploi. Il va y avoir certaines photos qui s'en viennent maintenant, des élèves sur site qu'on voulait juste partager. Ça, c'est l'accueil qu'on a reçu justement du département d'environnement. Ils ont pris le temps ils ont trouvé des photos. Ils nous ont pas demandé des photos, ils ont trouvé. Puis ils ont mis une personne, disons, plus en spécial parce que c'est elle qui travaille dans ce département-là. Puis les deux autres travaillent dans le département de la cuisine. Puis la prochaine suite. C'est ça. Fait que là, on voit les 3 stagiaires. Celle avec les grosses lunettes est en train de préparer les lingettes de nettoyage. Un autre est en train, celle du milieu est en train de prendre chaque tranche de pain doit être mise dans un sac parce que quand tu reçois ton plateau à l'hôpital, tu as une tranche de pain. Puis l'autre est en train de, je pense, mettre de la pudding là, dans des petits contenants. C'est des habiletés répétitives. Il y a du monde qui font ça à journée longue, mais nous, on a tenté de trouver comme 2 heures d'une sorte de travail à faire, puis un autre 2 heures pour faire d'autres choses pendant leurs 4 heures, pour que ça soit un peu plus divertissant. Mais c'est des habiletés qui se transfèrent partout. On se comprend que c'est des élèves aussi qui ont un trouble d'apprentissage d'une forme ou d'une autre. Là. C'est ça que c'est. Prochaine tuile. Encore une fois, c'est ça qu'on fait, on fait des portions. Oui, là, dans la cuisine de l'hôpital, l'hôpital Sainte-Catherine nourrit 5 hôpitaux. Niagara Falls, Port Colborne, Welland, Fort-Érié. Donc, les mets partent en camion et reviennent. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il lave la vaisselle sale, dont on en a un. et puis, fait que la cuisine a des salles froides et a des salles plus à la température normale. Donc, il y en a une de la photo d'avant. Tu peux voir la fille porte un gros, probablement quelque chose de plus chaud, parce que dans une salle qui fait seulement comme 5 degrés. Elle est habillée pour ça. fait que la prochaine, oui, c'est ça. Là, tu peux voir, c'est Désirée à droite là, qui est en train de changer une bouteille de Purell. Désirée a reçu les clés. Hein? Elle s'est fait accueillir, elle a eu des clés. Fait que nous, évidemment, on a notre identification qui nous laisse rentrer partout, mais elle a eu des clés spéciales. Elle est capable de se promener à l'hôpital, changer toutes les bouteilles de Purell qui ont besoin d'être changées, entre autres. Elle remplit les masques. Elle a appris des techniques comme ça. Fait qu'elle aime beaucoup ça parce qu'elle a un peu plus de liberté, tandis que les deux autres sont plutôt comme dans leur place à leur stage. Plus encadré. Plus encadré, oui. On continue. Et puis, ça, c'est le 4e stagiaire qui,
lui a décidé de faire un externship, parce qu'on appelle ça en anglais, c'est un externship, et c'est le stagiaire et sa tante. Sa tante a ouvert un café, et puis Erin avait déjà des habiletés de la cuisine, parce qu'il a commencé à Saint-Jean-de-Brébeuf dans la cuisine, puis maintenant il est en train de travailler avec sa tante. Le café est sur le point de commencer, d'ouvrir très bientôt. Puis lui a appris non seulement des techniques de cuisine, mais il a dû faire le programming de l'ordinateur, là, comme pour à la caisse, il a dû faire ça. Il a dû assembler les chaises et les tables. Il a fait plein de choses qu'il a fait avec ouvrir un café, pas juste la nourriture. Puis, fait que ça, c'est Erin. Je pense que c'est tout en tant que photo. Claude Émissivité. Fait qu'en provenance d'une école du Conseil scolaire catholique, âgé de 18 ans à 21 ans, un PEI et présente une déficience intellectuelle et un handicap de développement, a gradué du secondaire avec un DESO ou un CESO et a convenu que la participation du programme Project Search sera sa dernière année d'études et a pour objectif de travailler à la fin du programme. Afin d'aller travailler à l'hôpital, tu dois te faire immuniser. Fait que non seulement ce qu'ils ont fait, la formation de comment prendre l'autobus, parce qu'il fallait que ça se fasse. On parle de jeunes qui se font conduire partout, hein? C'est la génération. Prendre l'autobus, c'est public, c'est pas la norme. Fait qu'ils ont dû apprendre ça. Puis en même temps, on a dû faire toutes les démarches pour les immunisations. Le test de TB, puis la varicelle, puis tout ça. On continue? OK, fait que je vais juste parler des X, les gros X noirs qu'on voit. Ça l'indique les Employment Planning Meeting. C'est où que l'élève décrit, c'est les habiletés qu'il a apprises à date, les habiletés qu'il souhaite apprendre, où pense-t-il qu'il voudrait se rendre en temps après son projet. À ces réunions-là, non seulement est-ce que les gérants du département, mais il y a aussi la job developer de March of Dimes, qui est là, qui écoute, qui prend des notes, parce que cette dame, c'est elle qui va rentrer en ligne de compte pendant les 9 mois d'appui par après. Fait qu'après, elle apprend à connaître les élèves. La dame de la job developer vient nous voir à l'hôpital assez souvent. Elle aime ça voir nos jeunes en action, puis elle apprend à les connaître. Puis les possibilités de stage à Niagara Health. Comme c'est là, on a juste 2 départements. On avait juste besoin de 2 stages de toute façon. On espère certainement que d'autres départements vont s'ouvrir à nous. Surtout que comme c'est là, comme on commence le dernier stage la semaine prochaine, puis on a déjà des compliments. nos jeunes se font reconnaître dans le corridor. Puis, tu sais, oui, tu as ton nom sur toi, mais quand même, ils savent. Hey, toi, tu es désiré, toi, tu es. Puis, ils savent, puis ils se font reconnaître. Oui, on a eu des pépins, c'est certain, mais que nos élèves ont su surmonter plusieurs obstacles. Entre comment gérer un étranger, ben, on rencontre du monde à l'hôpital, ils ne sont pas dans les meilleures de situations. Puis on les croise constamment, puis parfois on se fait accoster par quelqu'un, puis il faut qu'on sache gérer ça. Toutes sortes d'habiletés qu'ils ont dû apprendre, puis on espère que d'autres départements vont s'ouvrir à nous, parce qu'on a eu des beaux compliments à date. Ça va vraiment, vraiment bien. Les compétences génériques apprises en stage, les résolutions de conflits, confiance en soi, prise de décision. Si, par hasard, un des stagiaires pouvait se trouver un emploi avec Niagara Health, on parle quand même de 23 $ de l'heure. Ça l'aide à augmenter la confiance et l'indépendance chez un élève qui n'a pas d'éducation postsecondaire, quand même. Fait que quand on commence à parler de, capacité de la confiance en soi, puis on amène, ça va vraiment bien, puis ça se peut que tu décroches un emploi, tu pourrais en décrocher un. La possibilité est là, ça l'aide. On veut certainement que le jeune se rende à être indépendant et confiant en soi-même. Puis le pays va le suivre de l'école au site de l'hôpital, oui. Qui est bien parce que tu peux bâtir sur ça avant d'embarquer dans le monde de travail. Mm-hmm. On peut continuer? Et en conclusion, Mme Rostein, oui, merci Marc. En conclusion, c'est ça. Je pense que les derniers points étaient vraiment importants à savoir qu'on veut développer des habiletés qu'ils avaient déjà mais qui étaient fragiles et on voulait vraiment les mettre en avant. Donc, et ceci pour permettre la réussite de la transition donc de l'école en tant qu'élève au marché du travail. Donc pour l'instant, en tant que stagiaire et éventuellement en tant qu'employé, on espère soit dans le site de Niagara Health ou ailleurs dans la région. Et tout ça en appuyant, en éliminant les obstacles et les défis auxquels ils sont
confrontés depuis longtemps et pour devenir fièrement des membres actifs de la communauté. Et ça, c'est vraiment notre but numéro un. Je pense que les prochaines diapos sont essentiellement des photos qui appuient encore tout ce dont on vient de parler. Et encore une fois, si vous les en rencontrez, c'est avec beaucoup de fierté qu'ils en parlent. Ils ont toujours la tête haute quand on les rencontre dans les corridors, comme disait Julie, où certains employés ne les connaissent pas forcément, mais savent qui ils sont. On les voit prendre l'autobus de ville, on les voit pratiquer. Ils vont être maintenant présents au mois d'avril pour être un peu les ambassadeurs de cette première année de Project Search pour qu'on puisse choisir nos quatre futurs stagiaires pour la rentrée septembre 2024. Donc, ils vont le faire aussi, ils vont être ces porte-parole très, très fièrement. On leur a posé la question, ils ont dit oui tout de suite. Hier encore, on avait une offre de médias qui demandait s'ils pouvaient venir avoir une entrevue avec eux pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Là, pareil, la réponse a été oui immédiatement. Ce sont des ambassadeurs de notre conseil et on en est très fiers tous ici, l'équipe, d'avoir pu être des maillons dans ce processus. Donc voilà, là, tous les médias qui ont pu, le jour de la signature, qui étaient très présents. Marie-France Cret, tu l'étais aussi. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de médias qui étaient très intéressés et très curieux. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Maude. Merci à Julie. Que les conseillers scolaires ont des questions pour que le conseiller Thibodeau. J'aimerais savoir, est-ce que ce projet-là pourrait être vécu dans d'autres régions? Parce qu'on a tous des classes d'élèves qui pourraient bénéficier d'un tel programme. Je vais passer la parole à Maude, en fait, pour cette réponse-là. Alors oui, on aimerait beaucoup. On va y aller aussi doucement dans le sens où c'est notre première année. Faisons les choses doucement mais correctement. Mais on voit un futur et on en parle ici et là, pour l'instant de manière non officielle, mais nous aimerions absolument et nous voyons les des différents sites en lien avec d'autres écoles secondaires de notre conseil, que ce soit à Toronto, à Hamilton et ailleurs, évidemment. On aimerait et on va en parler avec tous les membres du conseil pour voir qu'est-ce qui est faisable ou non. Mais certainement, la vision est là, oui. Certainement, depuis que Project Search, c'est tout en anglais, puis la traduction a été faite, c'est prêt. Tous les documents sont tout en français, donc ça, certainement que oui, dans d'autres parties du conseil, ça serait possible. Le Nord pourrait en bénéficier. Ah, à Sudbury, c'est déjà noté. La région de Simcoe. Ah, oh, de Simcoe. Bien noté. Oui. J'aimerais bien voir. Merci, conseillère. Oh, on a d'autres questions aussi, conseillère Dufour-Séguin? Je me demandais, est-ce que vous êtes la première école qui fait ça en français? Au monde. Au monde. Oui, en français, oui. En français, au monde. Tous les autres rencontres, tous les autres gens qu'on rencontre dans Project Search, c'est soit américain, anglais, et il y a Manitoba, il y a l'île du Prince-Édouard. C'est dans 11 pays, je pense. C'est en Australie, c'est en Angleterre. Si vous faites la recherche pour Project Search, vous allez trouver aussi des vidéos. Vous allez trouver des élèves à trisomique qui sont en train de travailler dans une pharmacie, d'un hôpital. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Conseillère Akia? Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Juste un gros bravo pour... c'est formidable. C'est la meilleure présentation que j'ai entendue tout le mois. Donc, c'est vraiment... merci d'être venu ici déjà. OFSA, c'est vraiment pouvoir exploiter le potentiel des ressources dans la communauté, les partenariats pour équiper nos élèves pour les défis de demain, parce que c'est concurrentiel le marché du travail. Le projet OFSA est formidable. Il y a tellement de compétences, d'habiletés techniques et transférables qu'ils vont acquérir. C'est une super expérience. Project Search aussi. Comme vous le savez sans doute, les statistiques pour les gens handicapés et neurodiverses sont extrêmement déprimantes. L'intégration dans le monde du travail est très, très, très difficile. Donc, leur offrir l'opportunité d'intégrer la société, le marché du travail de cette manière-là, je pense que vous vraiment vous changez les vies. Oui. Jeune personne. Ça c'est effectivement ce qui est arrivé aux États-Unis. C'était l'administration d'un hôpital et une enseignante ressource. Puis l'administration disait, j'ai beaucoup d'employés qui partent. Comment est-ce que je pourrais bien garder mes employés? Et puis on veut être inclusif.
Fait que c'est ça, c'est même ça a commencé aux États-Unis. Oui, on parle de pénurie d'emploi, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui pourraient s'intégrer au milieu de l'emploi. Ils n'ont pas donné la chance, donc c'est formidable ce que vous faites. Et j'espère, Madame la Directrice, qu'on pourra étendre ce projet dans d'autres écoles, parce que je pense que ça va vraiment changer beaucoup de vie de nos élèves. Et merci pour tout ce que vous faites. C'est beaucoup de travail. Donc, bravo. Oui, et travail. Oui. Merci beaucoup. Conseiller Quilomondo? Elle m'a coupé l'ordre. Non, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est pour enchérir à ce qu'elle disait. En suivant vos exposés les uns et les autres, oui, vous êtes certes des enseignants qualifiés, mais vous avez plutôt la passion de votre métier. Et c'est ça que ça prend pour faire une différence dans la vie, non seulement de la société, de nos jeunes et consorts du monde. Et, comme elle l'a suggéré, elle l'a insinué, on va en parler avec Madame la Directrice pour voir, parce que ça, c'est des projets étincelles qui vont définir les qualités distinctives de notre conseil. Et ça vaut le coup. Développer. Bravo, félicitations et en tout cas, merci. Merci. Conseiller Blais, merci. J'aimerais ça savoir si, dans leur intégration au milieu du travail, est-ce qu'ils sont rémunérés durant la cohorte? Présentement, non. En fait, c'est juste un petit des pépins négatifs pour eux. Parce que là, ils sont rendus qu'ils nous parlent. Hey, moi, j'aimerais ça me faire payer. Puis, tu sais, quand tu dis, minimum wage. Salaire minimum, c'est 16 $ de l'heure. Puis, à l'hôpital, tu commences à 23. J'ai dit, si on te payait 12 $, quelque chose, je veux juste quelque chose. Fait que ça, c'est un des côtés qu'on continue à dire. Il faut que tu gardes ta vision sur où tu t'en vas. Oui, tu n'es pas payé, tu es payé en crédit, tu es payé en habileté, tu es payé. Ça va venir. Il faut juste que tu mettes le temps. Parce que là, on est en train d'enseigner la résilience aussi, de surmonter tous les obstacles qui viennent avec ce programme ici. Puis, des fois, ça devient difficile. Ah, ça ne le tente pas. Fait qu'il faut qu'on se dise, écoute, faut que tu gardes ta vision. Tu t'en vas là. C'est ça ton but. Puis tu y vas, puis tu vas te rendre. Même nous, on a appris les adultes de eux aussi, comment que on donne l'exemple. Il faut qu'on donne l'exemple. On ne peut pas se laisser aller, nous autres non plus, puis dire, ça ne me tente pas aujourd'hui. On ne peut pas. Fait que toutes les fois, tu sais, oui, c'est un des petits pépins, mais on ne peut pas changer. Le programme, c'est le programme. Le projet, c'est ça. Est-ce que le programme est subventionné par le gouvernement provincial? À une licence qui est payée chaque année en dollars US à l'hôpital de Cincinnati. Oui, effectivement. Merci. C'est le gouverneur provincial qui la paye, la licence? Je crois que oui. Oui, il y a un budget qui nous vient du ministère, absolument. OK. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a beaucoup de questions ce soir. Hein? Deux projets très intéressants. Beaucoup de travail fait dans la région de Welland. Puis moi, quand on a présenté OFSA, puis justement l'ingénieur de son, ça me rappelait, on avait un ancien conseiller scolaire ici, M. Claude Renaudet, qui était ingénieur de son chez Radio-Canada pendant des années avant de prendre sa retraite. Donc, ça me faisait penser. Je me disais que s'il avait été ici, il aurait adoré la présentation. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Madame la directrice, un dernier commentaire? Merci. Merci encore à l'équipe de l'école et également au service de l'éducation spécialisée. On s'entend que ce projet rejoint vraiment la mission du conseil où chaque élève peut devenir un citoyen engagé, fier de son identité puis prêt à bâtir son avenir. C'est en plein lié également à la planification stratégique. Donc, merci. 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 Donc, on va prendre à peu près 5 minutes de pause. Oui, vous savez ce que je viens de dire. On va prendre 5 minutes de pause pour photos et tout. Okay. On va vous laisser quitter pour retourner dans la belle région de Welland.
Merci. Je vais leur dire. Oui. C'est bon. OK. Est-ce qu'on a tout le monde? Non, il manque pas encore. On va continuer. On continue. Point 6, adoption des procès-verbaux. Donc, le 6.1, adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 28 février 2024 en proposant. Conseillère Thibideau. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 28 février 2024 sous la forme présentée. Oui, c'est appuyé par conseillère Dechaîne. Questions, commentaires, on passe au vote pour adopter. Point 7, affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil. Madame la directrice. Merci, Madame la présidente. Vous trouverez à la page 20 de votre trousse le tableau des affaires découlant. Vous allez remarquer que le numéro 3 et 4 ont été terminés le mois passé. Donc, on va pouvoir les enlever et les retirer du tableau. L'élément numéro 1 et 2, c'est ce printemps. Donc, d'ici probablement à la fin mai, on sera en mesure de vous revenir là-dessus. Et le dernier point qui a été récemment ajouté, c'est pour l'ensemble des membres de la table, une formation pour les conseillers scolaires au niveau du comité d'audience. Donc, nous en parlerons à l'automne. Oui, et Chantal et moi, on a regardé dans le règlement de procédure et on doit faire une formation à tous les 4 ans. Donc, on a oublié de le faire. Fait qu'on va s'assurer qu'on vous la donne au mois de septembre. Ça marche? OK, questions, commentaires? Point 8, affaires différées sans objet. 9, recommandations des comités. Donc, le 9.1, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. Le 9.1.1, comité de participation des parents. La prochaine réunion est le 2 avril 2024. Mm-hmm. Il n'y avait pas d'ajout là-dessus, non? Le 9.1.2, comité de travail du 6 mars 2024. Donc, le 9.1.2.1, rapport DU 04-03-2024, étude de faisabilité et fréquentation scolaire des élèves de 7e et 8e année de l'École élémentaire catholique du Sacré-Cœur, Georgetown, un proposeur. Conseillère Dufour-Séguin. Que le Conseil maintienne l'École élémentaire catholique du Sacré-Cœur, Georgetown, comme une école M6, telle que décrit dans le rapport DIR 04-03-2024, intitulé « Études de faisabilité, fréquentation scolaire des élèves de 7e et 8e année de l'École élémentaire catholique du Sacré-Cœur, Georgetown ». C'est appuyé par conseiller Lévesque, Madame la directrice. Merci, Madame la présidente. Le rapport se trouve à la page 21 de votre trousse. Le surintendant de l'éducation, Mani, pourra faire un bref retour sur les étapes entourant cette décision. Merci, Monsieur Mani. Merci. Donc, en résumé, lors de la réunion du Conseil du 20 décembre 2023, la table avait mandaté l'administration pour aller faire la présentation de l'étude de faisabilité au Conseil d'école de l'école élémentaire à Sacré-Cœur à Georgetown. Donc, la présentation a été faite le 6 février. L'étude de faisabilité a été présentée dans son intégralité au conseil d'école. Donc, le tout était là. Le même rapport exactement qui avait été présenté le 20 décembre à la table du conseil a été présenté. Donc, pendant la présentation, tous les items ont été discutés, entre autres, pourquoi le conseil avait décidé en 2005 d'avoir une structure où on a des élèves M6 et on a des élèves 7-12 dans une autre école séparée. On a vu les avantages de ceci, le pourquoi de cette structure. A été présenté aussi l'aspect kilométrage, c'est-à-dire le temps où les élèves passent, le temps que les élèves passeraient sur les autobus si on changeait de zone. On parlait de doubler le temps de transport pour les élèves. J'ai présenté aussi les coûts de transport pour un changement de zone qui était évidemment considérable. On parlait de plus de 250 000 $ pour le conseil. J'ai parlé aussi, a été présenté aussi que le conseil est présentement en processus de design pour une nouvelle école sur Veteran Drive. Donc, c'est une école qui va être encore plus près de la zone de Georgetown. Donc, les élèves auront encore moins de transport, moins de temps sur les autobus quand ils seront à cette nouvelle école qui est en dessin. J'ai aussi présenté qu'une nouvelle école attend l'aval du MEO, donc une école secondaire à Milton.
Donc, on est en attente de ce côté-là aussi. À la fin du rapport, j'ai présenté le fait que l'école de Sainte-Trinité demeure toujours accessible pour les parents qui désirent que leur enfant y soit à partir de la 7e année. On peut faire une demande hors zone, un siège de courtoisie en suivant la directive administrative et l'école Sainte-Trinité est toujours accessible pour les parents qui le désirent pour leur enfant après la 6e année. Donc, ce fut les grandes lignes qui ont été présentées au conseil d'école le 6 février dernier. Merci, surintendant Simani. Question. Y a des questions? Pas de questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote pour adopter. Moi, je vote contre. Je vais demander. OK, mais je n'ai pas dit unanime, j'ai dit adopter. Non, non, mais je dois demander. Tu voulais-tu un vote inscrit? Non. OK. Donc, pour, excuse-moi. Contre. Contre. Adopté. Donc, on va passer au 9.1.3, comité consultatif de l'éducation spécialisée. La prochaine réunion est le 17 avril 2024. Le 9.1.4, le comité de vérification. La prochaine réunion est le 22 avril 2024. On est en train de peut-être penser à offrir un mode hybride, c'est-à-dire avoir des gens en personne. On accueille un nouveau membre du comité, donc à suivre. C'est tout ce que je voulais ajouter là-dessus. Ça serait bien de l'avoir en modèle hybride. Donc, 10, étude des rapports des membres d'administration. Le 10 point, le rapport CDA 0503-2024, comité d'admission. Madame la directrice. Ce rapport se trouve, s'il vous plaît, dans votre trousse, aux pages 22, 23, 24, 25. Si vous avez des questions, la surintendance Iskandar se fera un plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Iskandar? Conseiller Jensen. Je voulais savoir, qu'est-ce qui se passe avec les élèves qui viennent dans notre système maintenant, là? Le comité d'admission pour cette année scolaire. Est-ce qu'ils viennent d'autres conseils de l'extérieur? Est-ce qu'ils viennent d'immersion? Est-ce qu'on a une idée du pourquoi? Enfin, le pourquoi, oui, c'est parce qu'ils veulent la meilleure éducation possible, mais d'où viennent-ils en général? Nous avons eu des comités d'admission pour des élèves qui proviennent de d'autres conseils limitrophes, c'est certain. Nos élèves de la maternelle qui n'ont jamais fréquenté une école encore. Et bien sûr, il y a des élèves qui nous proviennent des écoles d'immersion. Donc, il y a un peu, je vais céder la parole à Mme Iskanda qui pourrait vous partager certaines informations plus précises qui se retrouvent dans le rapport de votre trousse. Peut-être ajouter à ce que la directrice a indiqué, on a aussi de nouvelles familles qui viennent d'arriver au pays. Donc, ces familles arrivent à n'importe quel moment durant l'année et donc ils doivent passer par des comités d'admission. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Ça va? On continue. Ça va. Donc, le 10.2, le rapport financier 0603-2024, le rapport du 28 février 2024. Madame la directrice. Merci. Le rapport financier se trouve, d'ailleurs, du 28 février, se trouve aux pages 26 à 30 de votre trousse. Si vous avez des questions, le chef des affaires, Monsieur Chin, se fera un plaisir d'y répondre. Questions? Est-ce que, Derek, tu pourrais faire juste un survol du rapport? Je sais qu'il est disponible dans la trousse, mais est-ce que tu pourrais nous donner un bref aperçu? Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Directrice. Donc, je vous emmène à la page 28 de votre trousse. Alors, la photo en date du 29 février démontre un surplus d'un un peu moins de 862 000 $. L'autre fait saillant que j'aimerais vous présenter aussi à la page 29. Vous allez voir au niveau des effectifs, nous avons un peu plus que ce que nous avons estimé au budget révisé. Alors, le financement est toujours basé sur la moyenne des effectifs
en date du 31 octobre et le 31 mars. Mais rendu au 29 février, on est légèrement un peu plus que ce qu'on avait prévu au budget révisé. Toujours est-il qu'il va falloir attendre le 31 mars pour prendre la photo, pour avoir une bonne idée comment on va finir l'année. Alors, sinon, je peux vous dire que les surplus sont générés par des postes non comblés en début d'année. Plus on avance dans l'année, on voit qu'il y a de moins en moins de postes non comblés. Mais ceci dit, on a déjà accumulé certains surplus au niveau des années, des mois précédents. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais tenter de les répondre. Derek, qu'est-ce que d'autres questions? Pas de questions, on continue. 11, affaires courantes. Donc, le 11.1, équité, diversité, inclusion. Le comité consultatif, la prochaine réunion est le 30 avril 2024. 11.2, la faux CFC sans objet. Il va y avoir un rapport verbal en huis clos. Et le 11.3, le rapport verbal mise en œuvre des réformes prioritaires à l'appui de l'application de la loi de 2023 sur l'amélioration des écoles et du rendement des élèves. Donc, c'est moi qui vais vous donner un petit bref, court, un court, bref rendu pour, qui va expliquer le 11.4 là, de façon plus logique. Donc, vous avez reçu cette semaine de ma part un courriel qui vous demandait de vous inscrire à une formation qui sera offerte dans les prochaines semaines. Donc, si possible, inscrivez-vous. Donc, comme vous le savez, le règlement 83-24 de l'Ontario, qui est l'évaluation du rendement des directeurs d'éducation, est entré en vigueur le 5 mars 2024. Tout nouveau, je vous en avais déjà parlé au mois de février, mais là, c'est officiellement en vigueur. Donc, le règlement a été adopté afin d'assurer la clarté, l'uniformité et la transparence des évaluations de rendement des directeurs d'éducation dans tous les conseils scolaires. Personnellement, je pense qu'on faisait déjà un excellent travail ici. On a fait l'évaluation des directeurs d'éducation à tous les 2 ans. Donc, c'est bien que ça soit encore plus encadré. Quand j'ai lu les documents, moi, je trouvais qu'on était déjà, on faisait déjà vraiment de l'excellent travail. Donc, moi, j'ai reçu 6 documents additionnels là, qui expliquent en long et en large, j'imagine, ce qu'il va y avoir dans la formation. Et ça inclut des exemples aussi de lettres comme quoi on va confirmer un plan de rendement et un plan écrit aussi au niveau de l'évaluation de notre direction d'éducation. Tout ça va être mis sur notre site Internet également. Donc, il va falloir qu'on s'assure que Mikal peut-être aussi participe à la formation parce qu'il va avoir quand même des composantes au niveau de l'affichage pour s'assurer que la communauté est au courant de ce qu'on fait pour suivre le nouveau règlement. Donc, maintenant, c'est un plan en 8 étapes que le gouvernement nous donne. Rapidement, les étapes dont vous allez avoir plus de détails à la formation. La première étape, c'est la formation d'un comité d'évaluation avant le 15 mai. Après, il y a une élaboration d'un plan de rendement avant le 31 juillet. On doit mettre sur notre site Internet un avis concernant le plan de rendement avant le 15 août. Et après, il y aura des évaluations de mi-année, des observations et un rapport d'évaluation, une ébauche, un examen et la version finale. Donc, ça fait beaucoup d'étapes, selon moi, mais bon, c'est correct. C'est pas moi qui ai fait le règlement. Quand même, on laisse au moins au conseil le droit de faire appel à une entité pour faire le travail de l'évaluation. Donc, par le passé, on a appelé, on a demandé aux clés de nous aider. Donc, au moins là-dessus, le ministère reconnaît qu'il y a quand même des étapes qui doivent être faites en bonne et due forme avec un organisme qui est dédié dans ce sujet-là. Et après avoir complété le premier cycle d'évaluation du directeur d'éducation, les évaluations de rendement se feront à tous les 2 ans. Donc, tout ça pour dire, on va avoir beaucoup plus d'informations quand on fera la formation. C'est pour ça qu'on a cru bon de s'assurer que nous nommions tout de suite un comité d'évaluation. Donc, le comité sera en place, aura eu la formation et pourra commencer le travail. Ça marche. Également, au niveau de la loi de 2023, il y avait un lien qui vous demandait votre
rétroaction au niveau de la participation aux réunions. Et c'était jusqu'au 2 avril, là, donc il y a encore quelques jours. Je ne sais pas si vous allez donner de la rétroaction ou non. Mais ce qu'on va aussi faire après consultation avec Chantal, c'est puisqu'il y a quand même une demande de s'assurer que chaque conseiller participe à 3 réunions en personne. Donc, on va maintenant noter dans les présences votre mode de participation. Donc, si vous êtes en virtuel, ce sera noté. Si vous êtes en personne, ce sera noté. Donc, soyez pas surpris. Dans le prochain procès-verbal, vous verrez votre nom avec votre mode de participation. Ça fonctionne? Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais au niveau du rapport verbal. Une dernière chose à mentionner au niveau de l'évaluation de la direction. Donc, aussi, une des demandes, c'est d'inclure un groupe plus large au niveau de l'évaluation 360 degrés. Donc, par le passé, on le faisait avec, justement, les surintendances, les surintendances évaluent la direction, les conseils scolaires, mais là aussi, il va y avoir une demande d'inclure des membres de la communauté et des représentants des parents, des membres du conseil d'école. Donc, l'idée est bonne, mais encore là, c'est peut-être un peu difficile pour un parent impliqué dans un conseil d'école de comprendre ce que la direction de l'éducation fait. Donc, j'espère qu'on va avoir plus d'informations lors de la formation. Okay. Questions, commentaires? Encore une fois, je n'ai pas écrit le règlement, donc je peux juste vous donner l'information que j'ai reçue. Ça va? Conseiller Blais? Est-ce que ça double la charge de travail pour le comité d'évaluation? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'étapes, là, personnellement. Ça ajoute du travail au niveau des communications, parce qu'il va y avoir des choses qui doivent être mises sur notre site Internet pour s'assurer que les étapes sont suivies. Donc, oui, moi, je pense que ça ajoute du travail. Okay. Et pour ça va être un membre du public qui devrait siéger, des membres? C'est pas clair. Puis on ne sait pas comment ils vont être choisis. Non, c'est pas. Bon, c'est là que je vois un peu de... Ça, c'est... Ouais. Ils sont consultés, oui, excuse-moi, ils ne siègent pas sur le comité. Merci, Chantal. Consultés au niveau de la rétroaction, de l'évaluation. Donc, ce n'est pas des membres du public qui siègent sur le comité, c'est des membres, des parents qui vont peut-être être demandés de donner de la rétroaction. Mais c'est difficile parce qu'à un moment donné, quand tu n'es pas très proche de ce qui se passe, là, je ne sais pas comment tu fais pour donner de la rétroaction, mais... Vas-tu répondre aux mêmes questionnaires que nous autres? Bien là, en principe, oui. Donc, mais encore là, on va espérer que la formation va nous donner un peu plus de réponses. Encore une fois, dans le document, toutefois, on dit que si on a des bonnes pratiques, on les laisse en place, mais il y a quand même des indicateurs de rendement qu'on doit rencontrer. Donc, C'était tous les deux ans? Bien, on en a un à faire cette année. On a une évaluation à faire. Avant, c'était-tu les 4 ans? Non, avant, il n'y avait pas de... C'est nous qui avions décidé de le faire. Il n'y avait pas... C'était pas mandaté. Maintenant, c'est mandaté parce que j'imagine qu'il y a peut-être d'autres conseils qui ne le faisaient pas de façon diligente. Donc, nous, on paye pour les autres qui n'ont jamais fait. Avais-tu un commentaire, Claire? Non? Non. Okay. Je comprends. Conseiller Quillomondo. Merci, Madame la Présidente. C'est juste une question de curiosité. Par rapport à ce qui est exigé par le ministère, non. Et par rapport à ce que nous faisions avant, je n'étais pas encore à la table du conseil, mais ce que nous faisions avant, est-ce qu'il y a-t-il des grands écarts ou on est... Pratiquement, ça sera pour nous juste des ajustements. Non, je ne pense pas qu'il y ait des grands écarts parce qu'encore là, je pense qu'on avait des pratiques exemplaires. C'est seulement l'inclusion de parents là, que je trouve un peu nébuleux. C'est l'affichage sur le site du plan de rendement, là, que en même temps, il y a déjà un plan stratégique, il y a des rapports trimestriels. Donc, je ne suis pas claire sur exactement qu'est-ce qu'on ajoute dans le plan de rendement, là, parce qu'on a quand même déjà des métriques en place. Donc, je pense que ce qu'on faisait, c'était bien, mais ceux qui ont fait partie du comité d'évaluation, vous le savez, c'est très intense, puis on se rend compte quand même souvent en peu de temps. Donc, c'est ça. Là, j'ai l'impression que le processus va s'étirer sur
6 mois au lieu d'être condensé en 3. Donc, je pense que ça va être ça qu'on va trouver peut-être moins plaisant. Il y avait d'autres questions avant de retourner. Conseillère Dufour-Séguin? Oui, je voulais savoir si ça allait dédoubler le... C'est pas la même question que Donald, là, mais est-ce qu'on va faire deux évaluations? Tu as donné qu'on devait faire une évaluation cette année, puis que celle-là va être plus longue. Est-ce qu'on en fait deux ou on en fait Donc, moi, ce que je suggère, on va élire le comité, on va avoir la formation et le comité va se rencontrer après avoir reçu la formation pour décider qu'est-ce qu'on fait. Parce que dans le contrat de la direction, on avait dit qu'on ferait une évaluation avant la fin de la première année. Donc, Nicole est en poste depuis le 1er juillet, ça veut dire qu'on avait dit dans le contrat, on ferait une évaluation avant la fin juin. Mais là, si on l'a fait avant la fin juin, il faut la recommencer deux semaines après. Fait que moi, je suggère que le comité décide avec une compréhension vraiment du détail comment on peut faire. Peut-être qu'on devrait tous s'entendre que oui, c'était dans le contrat, mais là, on va s'abstenir de faire deux évaluations à deux semaines d'intervalle. Bonne question. Conseiller Johnson? Oui, je sais qu'on est en public, mais je voudrais quand même faire un commentaire. J'ai lu le nouveau règlement, j'ai trouvé ça très lourd, cette nouvelle façon de faire les choses. Je trouve ça étrange de la part d'un gouvernement qui se disait à vouloir réduire la paperasserie de red tape, soi-disant. Là, on en rajoute, plus on nous a vraiment pas consulté, donc c'est pas nous autres qui avons écrit le règlement, mais on nous l'impose. Et puis, je crois que ce sera... J'essaie de comprendre pourquoi on chamboule tout ça là, d'un coup. Peut-être qu'il y a eu des conseils scolaires où on ne le faisait pas du tout. Nous autres, on avait une bonne formule. On a toujours bien fait ça. Puis, reste à voir si c'est vraiment pour le meilleur ou pour le pire. Conseil Blais? Vu que c'est imposé comme règlement, il va y avoir des frais encourus qui est quand même assez... pour aller... Mais est-ce que ça va être remboursé au conseil ou c'est nos frais à nous autres? Mais ça fait partie de nos frais d'exploitation à nous. Donc, on aurait embauché quand même le clé. Donc ça, mais là, c'est imposé. Avant, on faisait de bonne foi. Là, c'est imposé. C'est... La budgétaire ne sera pas plus grosse parce qu'on a maintenant, à moins que Derek ait une connaissance de l'enveloppe budgétaire qu'on n'a pas, mais ça ne sera pas des fonds supplémentaires. C'est dans notre responsabilité de le faire, ça, c'est pas... Oui, mais on faisait une bonne fois avant. C'est nous autres qui décidaient, mais on l'impose. On n'aura pas plus d'argent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Merci donc participer à la formation. Merci. OK. Donc, sur ça, maintenant, vous comprenez le 11.4, comité d'évaluation du rendement de la direction de l'éducation. Le mandat est inscrit. On a besoin... dans le règlement de procédure, la composition, c'est la présidence, un membre du comité de l'année précédente, trois autres conseillers scolaires et un membre suppléant. En regardant ce qu'on avait fait en 2022, la dernière fois qu'on a fait l'évaluation, c'était pour la fin de mandat d'André, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas, il y avait pas cinq personnes sur le comité, il y en avait juste quatre. Donc, je pense que le membre du comité de l'année précédente est peut-être un supplément. Oui, c'est peut-être flottant. Et la dernière fois, ceux qui étaient ici, on avait eu de la misère à trouver quatre personnes qui voulaient le faire de toute façon. Donc, tout ça pour dire que si cette année, on en a cinq, allons-y avec cinq, parce que, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de réunions, puis c'est normal qu'il y a des gens qui en manquent une ou deux. Mais si vous mettez votre nom, vous devez venir aux réunions. Okay, je dis ça parce que par le passé, on a eu des expériences où il y a des gens qui mettent leur nom qui ne viennent jamais. Donc, tout ça pour dire que par le passé, c'était la dernière fois, ça avait été moi, Dorothée, Donald, Joanne et Dominique, tu étais le membre suppléant. Ah. Okay? C'était ça qui s'est passé. Est-ce qu'on doit être en présentiel ou en Zoom? Non, je pense qu'on avait fait beaucoup en virtuel. C'était encore un peu pré-pandémie. Peut-être quand on fait l'évaluation, la rétroaction en personne, on l'avait peut-être fait en personne, là, mais on va donner la flexibilité là-dessus. Okay? Donc, c'est ça, la durée du mandat, ça dure un an, là, mais on le fait de façon très condensée. Puis le nombre de rencontres, mais c'était vraiment au besoin. Et encore là, par le passé, habituellement, trois réunions, on était correct. Première réunion, on regardait les questions que le client allait poser, on faisait des ajustements. Deuxième réunion, je me souviens plus exactement ce qu'on faisait, mais la troisième, finalement, on regardait les résultats, puis on partageait. Donc, habituellement, c'était assez
condensé. Là, je pense que ça va être un peu plus long. On va passer au 11.4.1, la nomination des scrutateurs ou scrutatrices, parce qu'on va espérer que cette année, on va être très chanceux, on va avoir plus que 5 personnes qui vont vouloir faire partie du comité. Donc, 11.4.1, nomination des scrutateurs ou scrutatrices, un proposeur, conseillère Dufour-Séguin. Que Marie-France Craig et Frédéric Bergeron soient nommés à titre de scrutateur. Et c'est appuyé par conseillère Deschênes. On passe au vote pour adopter. Merci. 11.4.2, mise en candidature. Donc, on ne le fera pas aussi officiel qu'on le fait habituellement. Est-ce qu'il y a des gens intéressés à faire partie du comité? Moi, je vais être là, là mais Claire, OK? Yeah. Mm-hmm. Y a-t-il de la place? Il y a assez de gens, c'est correct. OK. Marcel. Dorothée a parlé. Dorothée, tu veux-tu le faire? Non, j'avais une question, moi. Ah ouais donc? Pour le membre suppléant, oui. Est-ce que le membre suppléant devrait participer aux réunions? Parce que si une personne qui décide qu'il ne peut pas y aller, le membre suppléant ne sera pas vraiment de savoir tout ce qui s'est passé avant. Ouais, ben écoute, oui, oui, il n'y a pas de problème si le membre suppléant veut joindre aux réunions. Là, je ne vois pas vraiment un gros problème. D'ailleurs, c'est ça. Non, il n'y a pas de problème. Non, ben, pour suivre les étapes. C'est... Mais par le passé, on a eu des problèmes qu'il y avait des membres permanents qui n'est jamais. Donc, c'est ça. Yeah. Mais bon, ouais. OK, donc j'ai Claire, Réa, Marcelin. Si il y a Estelle puis Donald. Je vais le laisser, c'est juste que s'il n'y a personne, je l'ai fait, mais... Mais nous, on peut faire un vote. On peut faire un vote, c'est correct. Non, tu peux demander. Donc, si je mets Donald, on est 5. OK, si je mets Donald, on est 5. Puis, est-ce qu'il y a un membre suppléant? C'est ça. Pourquoi pas? Donc là, ceux qui ont mis leur nom, vous allez être là. Oui? C'est 2 à 4 par année. Ben, c'est pas par année, ça va être un condensé. C'est ça va être un condensé. En deux mots. Mais là, je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui me dise ah, « je peux pas aller à X, Y, Z ». OK? C'est ça de faire du là, on peut le faire de n'importe où. Ça se peut que la réunion soit à 5h30, là. Tu vas être dispo? Moi, pas 5h30. Je sais pas. T'as dit là. On va voir qu'on me le rappelle 2-3 jours à l'avance. C'est bon. OK. Fait que moi, Claire, Réa, Marcelin, Donald, ça marche. Et Estelle. Ouais. Il n'y a que toi qui a l'expérience, alors. Jusqu'au non, Donald était là la dernière fois. Donald était là la dernière fois et la fois est-ce d'avant. Est-ce que c'est lui qui avait manqué tous les rires? C'est OK, Donald. OK, c'est bon. Donc, ça va être Donald, il a l'expérience. De l'année précédente. Ça va être Donald. Donc, moi, je suis la présidente élue, puis on a Claire, Réa, Marcelin. Et Estelle est le membre suppléant. Ça marche? Dominique était le président. Non, la fois précédente. On peut prendre le proposeur, s'il vous plaît. Nathalie a proposé. Tu veux-tu pour chacun? Non. Au total? On n'a pas de vote? OK. C'est ça? Au total. Donc, Nathalie me propose. Je propose Claire, Réa, Marcelin, Donald. Et Estelle comme membre suppléant et Geneviève fait partie de ça. J'appuie. Qu'on vote là-dessus? Non. Ça marche. OK. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu de vote, il n'y a rien. Donc, on n'a pas besoin de. Très fort. Non, ça a été vraiment simple. Tu veux que je fasse ça pareil? Bon, donc merci pour la candidature. 11.4.3, clôture de la période des mises en candidature. 11.4.4, vérification à la disponibilité des personnes mises en candidature. Vous êtes disponibles, les 4? Merci. 11.4.5, donc, puisque nous n'avons pas de plus de candidature que de postes, nous n'avons pas besoin de procéder au vote, au scrutin. Donc, félicitations pour votre nomination. On apprécie beaucoup votre travail. Donc, on peut sauter le 11.4.8, Chantal? Merci. Merci beaucoup. OK. Point 12, présentation. 12.1, présentation du compte rendu trimestriel de la directrice de l'éducation. Le 12.1, le rapport de mars 2024. Madame la directrice.
Merci beaucoup. Donc, le compte rendu toi aussi, toi, trimestriel du mois de mars se trouve aux pages 30 à 39 de votre trousse. Comme vous avez pu le constater, il y a eu une panoplie d'activités depuis le mois de décembre. Un grand merci à tous les services, tous les membres, toutes les équipes des services éducatifs qui continuent sans relâche à faire la mise en œuvre d'activités, de formations pour les élèves et les membres du personnel pour faire rayonner et briller notre conseil scolaire. Puis, tu as noté que vraiment tout ce que nous faisons au niveau de tous les services rejoignent les trois axes de notre planification stratégique. Donc, si vous avez des questions, il fera plaisir d'y répondre. Mais il y a une description sur 9 pages de toutes les belles activités. Un grand merci à l'équipe des relations, du service des relations corporatives qui ont fait cette mise en page et qui a tout comptabilisé les actions, les stratégies et tout ce qui a été mis en œuvre depuis le mois de décembre. Des questions pour Madame la directrice. Conseillère Thibodeau. Vous savez tous que la construction identitaire me tient à cœur. Non, aussi. Et donc, ça nous tient tous à cœur, mais moi, je suis un peu plus verbale. j'ai vu que vous aviez les concours d'improvisation et puis bravo, ça se continue, mais je n'ai pas vu des camps de leadership. Je sais que dans le passé, les camps de leadership étaient très populaires auprès des jeunes. Et puis d'ailleurs, il y a des études qui ont été, dont Christine Dallaire. Je suis allée retrouver l'étude pour m'assurer que j'avais bien raison, qui démontre que les événements à grand déploiement, comme les Jeux de l'AESD, mais aussi les camps de leadership, ont un impact direct sur la construction identitaire des jeunes. Est-ce que ça c'est juste parce que je sais que tout ce qui est là, vous travaillez extrêmement fort, je le sais. Mais est-ce qu'il y a encore des camps de leadership pour le secondaire et pour les élèves de 6e, 7e, 8e et secondaire? Je sais qu'il y a une panoplie d'activités qui sont déjà réservées pour les prochains mois. Je suis également consciente que les élèves conseillers vont vous partager des activités, d'ailleurs, vécues cette semaine. Donc, ce n'est pas encore dans le plan trimestriel. Mais je peux céder la parole à M. Bergeron, qui est responsable, surintendant responsable du service de construction identitaire, qui pourrait nous donner un petit avant-goût de ce qui se passera au dernier trimestre. Dans les gros projets qui s'en viennent au niveau de la construction identitaire, on a le Festival Impact depuis plusieurs années pour célébrer la foi à travers les différentes écoles. Les Jeux de l'AESD qui vont prendre énormément de temps. Pour les camps de leadership, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est en train de se tramer, mais c'est quelque chose qui est sur la table, définitivement, qu'on discute pour faire vivre justement des expériences comme ça aux élèves tranquillement. Donc, je suis pas en mesure de vous le confirmer, je le prends en note, puis c'est sûr qu'on va continuer de discuter là-dessus. Parce que je comprends que ça s'est vécu. Depuis la pandémie, je pense pas qu'il y a eu des camps de leadership qui ont eu lieu. Ayant été impliqué, je veux pas. Je sais que ça dure deux jours et demi, puis un temps de réflexion important lors de ces camps-là. Mm-hmm. Les Jeux de l'AESD, c'est un événement à grand déploiement, mais il n'y a pas grande réflexion par rapport à leur engagement face à la construction identitaire, face à leur identité, leur langue et tout ça. Tandis que les camps, tant au niveau culturel que pastoral, amène les jeunes à une réflexion et à un engagement pour le poursuivre par après. Tous les jeunes, en tout cas, on avait fait dans le temps des questionnaires pour savoir ce qu'ils en pensaient, les jeunes, puis ils disaient que c'était une des raisons pourquoi ils restaient raccrochés. Donc, j'espère que je suis très contente d'entendre que vous allez réétudier ça parce que je crois que pas nécessairement en avoir autant qu'on en avait, parce que je sais que les sous sont peut-être pas là, mais il faudrait qu'à un moment donné,
les jeunes aient la chance de vivre un camp où parler français, c'est la norme. Puis qu'il y a des ambassadeurs qui y croient. Parce que, veux ou pas, on connaît tous la réalité, là. Je n'élaborerai pas là-dessus. Mais il faut qu'il y ait des jeunes qui la portent la flamme. Pas juste nous, comme personnel, comme conseiller scolaire. Il faut que les jeunes... Puis dans le temps, c'était ça. Pour l'avoir vécu, puis pour l'avoir vu en œuvre. En tout cas, je pense que c'est essentiel. C'est bien beau de parler de... Comment je dirais ça? Il faut évoluer, je comprends très bien. Mais à un moment donné, il y a des bonnes choses qui existaient qu'il faut peut-être revisiter, peut-être retravailler un peu. Mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. C'est noté, Madame Thibodeau. Merci. Monsieur Bergeon va avoir une présentation le mois prochain. Donc, je fais le même. Non, mais ajouter quelque chose. Ah, oh, tu voulais ajouter, ma chère? Oui, parce que sur l'ensemble, merci du commentaire. Sur l'ensemble, dans l'ensemble de nos écoles secondaires, plusieurs sur l'ensemble du territoire font des camps d'intégration. Mm-hmm. Donc, quand nos élèves arrivent en septième année, ouais. Et dans plusieurs cas, ce sont nos élèves plus vieux qui sont nos leaders. Alors, Lucas, peut-être, s'il a eu cette expérience-là. Donc, c'est pas nécessairement une pratique qui est dans toutes nos écoles, mais c'est dans plusieurs de nos écoles. Et le but, bien sûr, c'est l'intégration vers les écoles secondaires, mais aussi ce leadership et ces camps-là se vivent en français. Donc, et ça, c'est une pratique là, qui est bien installée dans plusieurs de nos écoles et qui est très appréciée de nos élèves. C'est très bien. J'apprécie que tu fasses ce commentaire-là, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des jeunes de toutes les écoles secondaires. Il faut qu'ils se rassemblent pour pouvoir voir ce qui se fait ailleurs, puis pas juste se fier aux conseillers scolaires ou aux adultes de leur école. Il faut que les jeunes se parlent. Mm-hmm. Au début du conseil, c'est comme ça qu'on a commencé les camps de leadership, c'est à la naissance du conseil. Mm-hmm. On a vécu un événement où les jeunes ont eu la chance de se rassembler. Mm-hmm. Et puis, ils ont dit, on a besoin de ça, on veut se voir, on veut pouvoir vivre des activités ensemble. Donc, comme j'ai dit, sans nécessairement en avoir autant qu'on avait parce qu'on était vraiment gâtés. Puis ensuite, le Zoom, la distance peut aussi faire partie de ça, où on a des temps de réflexion, mais il faut qu'il y ait une façon puis d'identifier des leaders là-dedans. Puis ça n'a pas besoin d'être toujours des élèves qui sont première classe, là. Je ne parle pas de ça. Des enfants qui veulent vraiment participer à la croissance, à la construction identitaire de leurs amis au secondaire. OK? Merci. Mm-hmm. Lucas, est-ce que tu veux répondre là-dessus? Oui, juste un point sur cela. Alors, lorsqu'on était à notre rencontre avec FAU, on a eu la chance de s'introduire à une organisation qui s'appelle la FESFAU. Alors, je trouve qu'ils nous ont dit qu'il y a un manque de connexion avec le Conseil Mon Avenir. Alors, s'il y a une possibilité qu'on fait comme une collaboration avec la FESFAU, parce que c'est vraiment une organisation qui veut promouvoir la francophonie dans l'Ontario, et c'est plein de jeunes leaders qui veulent avoir un impact. Alors, je trouve que si on a comme une collaboration avec eux pour faire quelque chose comme ça, ça serait bon, parce que je pense pas qu'on a déjà eu l'opportunité de travailler avec la FESFAU auparavant. Je pense que la FESFAU en ce moment est en train d'essayer de se réorganiser un peu. Ils sont peut-être un petit peu. Il faut qu'ils regardent dans leur cours un petit peu pour être un petit peu organisés. OK, on va continuer. La mémoire collective. Donc, conseiller. Johnson, tu avais une question, hein? Je ne sais pas. Oui, je veux faire un petit commentaire à conseillère Thibodeau. Je crois qu'elle a un très bon point parce que moi, je pense au camp Mansfield, le camp de leadership qu'ils avaient. Au mois de septembre, en début mm-hmm. d'année. Pour nous, comme conseillers scolaires, c'était probablement une des seules occasions où on pouvait aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient entre eux. Là. Il y avait leur AGA, ils nous invitaient à leur AGA, on était invités au souper, il y avait un brassage d'idées, etc., qui se faisait, puis on avait été invités plus d'une fois. Moi, je trouvais ça un très, très bon camp que je regrette qu'on ne le fait plus, mais bon, c'est pas moi qui décide ça, donc... Ça, c'est un commentaire. L'autre question que j'ai au sujet du rapport, je ne veux pas que vous preniez ça d'un,
d'un mauvais œil, mais il y a une phrase dans le rapport qui parle, pour moi c'est un peu contradictoire, mais peut-être que je ne comprends pas. On dit que l'équipe d'éducation autochtone a lancé une campagne d'auto-identification autochtone au sein des écoles. Quand je vois auto-identification, pour moi, c'est quelque chose que le jeune fait de son plein gré. Alors maintenant, on met une campagne en place. Est-ce qu'on pousse pas un petit peu la chose, ou bien est-ce que je comprends mal ce qu'on essaie de faire là? Ben, vous voyez ce que je veux dire? Je me souviens que dans les écoles, il y avait toujours un formulaire, et je sais qu'il y en a qui le font, et il y en a qui ne le font pas, pour leurs raisons à eux. Est-ce qu'on veut changer les choses à ce niveau-là, uniquement? J'essaie de comprendre. Si j'interprète bien la phrase, c'est que l'équipe d'éducation autochtone souhaite inviter les jeunes qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Donc, on ne le pousse pas, mais c'était un lancement, une invitation à participer et à s'auto-identifier. Nous respectons toujours, bien sûr, les familles et les élèves qui ne souhaitent pas. Toutefois, l'équipe s'est donné un objectif de faire une campagne, de lancer l'invitation à tous. Donc, c'était simplement une autre initiative. Bien sûr, les élèves ont l'occasion de le faire avec les familles lors de l'inscription, mais pour les élèves qui sont encore ici, il y a toujours l'option de le faire. C'est pas juste une fois, puis on ferme ceci. Ça existe en tout temps. Donc, c'est l'équipe d'éducation autochtone qui a voulu faire ceci. Oui, absolument. Et ça a l'air de fonctionner? Ça avance. On n'a pas vraiment, nous autres, comme conseil scolaire, on ne sait pas trop dans notre conseil quels sont les nombres, par exemple, de jeunes qui s'auto-identifient comme autochtones ou métis ou inuit, peu importe. Est-ce que c'est des données qui restent privées à la fin ou bien c'est le conseil? Il y aura éventuellement des données. Comme vous le savez très bien, il y a eu un projet provincial par rapport aux données sociodémographiques. Prochainement, il y aura des données partagées, des données que nous sommes en mesure de partager, afin de partager. N'oublie pas, il faut absolument protéger la vie privée. Donc, il y aura absolument, après réflexion et analyse, il y aura des données qui seront partagées, okay, publiées. Merci. Ça va. Le rapport était très bien écrit. Je n'ai pas tout lu, mais c'est... Okay. Vous en faites du beau travail. Merci. D'autres commentaires? On va finir avec Concert Vidéo. Justement, pour le dossier autochtone, c'est probablement les jeunes du secondaire qui, à un moment donné, prennent conscience. Comme, moi, je suis métisse, mais je ne me suis jamais rattachée à la culture métisse, parce, pour bien des raisons, mais ça se peut qu'il y ait des familles métisses qui, à un moment donné, le jeune lui-même décide de lui-même vouloir s'identifier. Donc, il faut qu'il y ait des occasions de le faire de temps en temps. Donc, j'apprécie beaucoup ce que vous faites parce que si c'est, à un moment donné, ce n'est pas leurs parents qui décident pour eux. C'est quoi un leur identité? Exact. C'est eux-mêmes. Donc, il faut qu'il y ait l'occasion. Puis, des fois, bien, le roulement au niveau de l'école, il y a tellement de choses qui se passent qu'il faut s'arrêter à un moment donné puis dire, bien, si tu es prête à t'identifier, on t'accueille. Puis, il y a des activités pour toi, n'est-ce pas? Et d'autres commentaires? Merci beaucoup, Nicole, pour le rapport. 12.2, présentation à la suite de participation au congrès sans objet. Point 13, compte rendu mensuel des membres du conseil. Donc, le 13.1, la présidence. Très rapidement, je vous ai envoyé un compte rendu au niveau de l'OPECO, très, très haut niveau. Encore une fois, Sébastien a fait un excellent travail. Comme vous avez pu peut-être le voir aussi dans les réseaux sociaux, mais c'est la semaine de la francophonie et Réa, Nathalie, moi et Nicole, nous étions à l'IOF pour le lancement le lundi 18 mars. Donc, ça a été vraiment le premier événement et après, il y en a eu plusieurs d'autres. Je suis certaine que vous allez peut-être nous partager ce que vous avez fait dans vos régions. Mais toute la francophonie était présente à l'IOF, incluant Mme Edith Dumont. Donc, c'était mon compte-rendu très rapide. 13.2, conseiller, conseillère scolaire, est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Conseillère Thibideau? Il semble que je parle beaucoup. Bon, c'est pour cela. J'ai participé
Pardon? C'est pour cela que nous sommes au Québec. J'ai participé au lancement des rendez-vous de la francophonie à Ottawa, puisque je suis membre du CA de la Fondation des Dialogues, et on avait nos réunions à ce moment-là. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est quoi les rendez-vous de la francophonie, c'est une initiative de la Fondation des Dialogues qui ont mis en place plein d'activités pour les écoles de langue française, mais aussi pour la communauté, pour créer un rapprochement, n'est-ce pas, entre la francophonie et l'anglophonie ou toute autre culture, mais pour mettre en valeur la francophonie dans tout ça, dans le mois de la francophonie. Donc j'ai participé au lancement puis au spectacle d'humour qui était excellent. Ils font une tournée de ce spectacle-là à quelques reprises au Canada au complet parce qu'on est à peu près une vingtaine de membres de la Fondation qui représente tout le Canada. Moi, je représente l'Ontario pour l'instant avec quelqu'un d'autre. Donc, ça a été une très belle soirée et j'ai participé à un événement samedi soir, présenté par la Clé de la Baie, et ils avaient reçu une mini-subvention de la Fondation des Dialogues de la Culture pour permettre aux personnes aînées de donner le transport pour qu'ils puissent venir au spectacle, qui était Robert Paquette. Puis il y avait un monsieur, je ne connais pas les deux autres, mais c'était excellent. C'était un mélange d'humour et de musique, comme Steph Paquette sait le faire. La salle à la Clé de la Baie était remplie. Donc, c'était un très bel événement. Puis, il y a plein de choses encore en ligne parce que le 31 mars arrive juste mardi. Vous pouvez aller au site de la Fondation des Dialogues de la Culture, au programme de rendez-vous de la francophonie, et vous allez voir plein d'activités qui se sont vécues partout au Canada. OK? J'ai participé à un tournoi d'échecs, pas participé moi-même, parce que observé à l'école catholique Marguerite Bourgeois. J'étais surprise de voir qu'il y avait des petits cœurs de 4 ans et 5 ans qui jouent. Et là, je me suis sentie pas mal stupide. Ça ne m'a jamais intéressé, les échecs. Moi, quelque chose qui me demande que je ne parle pas. Mais c'était très impressionnant. Il y avait 4 écoles, dont 3 écoles de notre conseil, de la région, puis l'école publique francophone d'en face. Et c'était incroyable. C'était vraiment une belle expérience et je vais y retourner, c'est certain. L'autre, c'est un peu, en tout cas, j'ai accompagné mes petites filles à une visite éducative parce qu'une des deux ne voulait pas aller. Puis c'est moi qui les gardais pendant que mon fils et ma belle-fille étaient dans le sud. Et là, Viviane était trop gênée. Alors, j'ai dit, mamie va aller avec vous autres. Donc, j'ai demandé la permission à l'enseignante et à la direction et je leur ai dit, bien, j'ai ma vérification judiciaire. Donc, et on m'a dit, c'est correct, tu peux y aller. Je pensais accompagner seulement les jumelles, mais j'en ai eu 2 autres qui se sont ajoutées. Puis les petites du jardin, elles autres, savent comment ça se passe. Donc, ils m'ont dit quoi faire, comment organiser mes affaires. En tout cas, puis à la fin, le centre Tiffin a fait la visite, a essayé bien fort de faire la visite en français. Mais les deux éducatrices pouvaient parler français, mais ils cherchaient souvent leurs mots. Puis... Donc moi, à la fin, je suis allée voir, j'ai envoyé un courriel. Et maintenant, je donne des cours de français à ces deux éducatrices-là. Parce que si tu critiques, il faut que tu apportes une solution. Exactement. Hein? Donc, tous les mardis, de 13h à 14h30, je donne des leçons juste de conversation et le vocabulaire. Puis, j'ai eu ma première leçon mardi. On a juste jasé, puis je sortais les expressions. Puis je vais faire ça pour quelques mois encore. Parce que les deux personnes sont issues de l'immersion. Elles sont des vrais cœurs. Amanda et Kristen, elles adorent la langue française. Donc, je me suis dit, ben là, je leur avais demandé, est-ce que vous donnez plusieurs visites en français? Ils ont dit,
Oui, donc là, ils vont pouvoir faire encore plus la promotion. Et puis moi, entre-temps, ben, je retourne à mes amours d'enseignement. Et puis, c'est ça. Je veux juste le goût de vous le dire. Merci, Claire. C'est un beau partage. Conseiller Cuiromondo? De mon côté, j'ai eu le privilège de participer à deux grands événements, l'un qui est attrait à la catholicité et l'autre à la francophonie, bien entendu, qui sont nos identités. Avec la catholicité, j'avais reçu l'invitation, enfin, pas moi, la paroisse m'a délégué participer au banquet, comment est-ce que vous appelez ça, ordinandi de l'archevêque, avec le futur prêtre. Ils sont diacres. Ils étaient 8, des diverses origines. C'était impressionnant. C'était au Convention Center de Brampton. Et il y a plus de 2000 personnes qui démontraient encore la force des catholiques. Et c'était très émouvant. Le cardinal, pardon, j'ai toujours l'habitude de l'appeler cardinal. J'espère qu'il va devenir cardinal. Il était là en personne. Et la bonne chose, c'est que moi, personnellement, c'était une cinquième fois que je le voyais en personne. Et il a développé une habitude. Dès qu'il me voit, il me parle en français désormais. Et c'était très beau. Par rapport à la francophonie, j'ai été représenter le conseil au concours d'épellation qui a eu lieu dans ma région. Et là, je dois dire que ce sont justement des activités qui nous permettent d'amener nos jeunes à affirmer leur construction identitaire dont on parlait. Mais curieusement, le taux de participation a été a laissé à désirer, quoi. Je ne sais pas, on en a discuté avec Rosa, notre agente des liaisons, qui malheureusement m'a dit qu'il y a un beau travail a été fait pour donner l'information, mais nous ne comprenons pas pourquoi le taux de participation a été aussi minable. Nous allons peut-être faire mieux et voir comment je vais peut-être faire un certain nombre de propositions par rapport à ça au niveau de notre région. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons eu une de nos élèves de l'école Corpus Christi, son nom c'est Divina Ganajo, qui a remporté la deuxième place. Curieusement, la première place était remportée par une élève d'une école d'immersion. Et ça m'a interpellé. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est une école d'immersion catholique anglophone. Encore catholique. Et ça, je le disais à Rosa, c'est autant interpellant que révoltant. Parce que nous sommes dans des écoles francophones, nos élèves des écoles francophones devraient remporter ça. Donc, c'est que moi, je veux peut-être voir dans quelle mesure. Avec le surintendant à la construction identitaire, Madame la directrice, comment est-ce que nous pouvons peut-être motiver davantage, je parle là de ma région, je ne sais pas quelle est la situation ailleurs, motiver davantage nos élèves à travers les familles, les conseils d'école et consorts, en faire peut-être une habitude, savoir le calendrier et informer, motiver les élèves à s'inscrire, les parents à s'inscrire à cet événement-là qui nous permet de les aider à construire, à la construction identitaire de nos élèves. La prochaine étape, je pense, ça sera chez notre cher Donald. C'est ça que... Oui, moi, j'ai dit, je vais y aller à condition que je participe pas. Non, et là, je dois remercier très sincèrement notre équipe. Le mot de circonstance que j'ai prononcé a été très bien perçu et acclamé par les participants. Par contre, le coordonnateur de l'endroit, à ma grande surprise, s'est enlisé à s'exprimer en anglais pendant un événement. Et à la fin, je ne pouvais pas me retenir, je suis allé le voir pour lui dire de changer cette façon de faire. C'est un événement francophone, on ne doit que parler en français. Parce que c'était en anglais, il ne se donnerait pas la peine de parler en français. Il a bien accepté ça et dit merci pour... la remarque, je n'avais pas fait attention parce que il y a des parents qui parlent anglais, qui ne comprennent rien de français. C'est une façon de les obliger à apprendre le français. Donc, voilà un peu de je pense qu'on lâche pas lousse Marcelin et Claire en même temps. Hein?
On vient à Saint-Charles Garnier. Saint-Charles Garnier va être l'école hôte de tournoi Franco et Smash. C'est mon monsieur Eric qui m'a donné la formation. Et je vais prendre les dispositions pour y être mardi prochain, si j'en puisse. Merci. Merci. Conseillère Lechaire? Oui, juste pour répondre au concours Épelle-moi et la participation, quand j'étais au conseil d'école à Georges-Saint-Cartier, on voulait augmenter la participation. Alors, on a fait un petit concours dans l'école avec la moitié, parce qu'il faut mémoriser, je ne sais pas le nombre de mots, mais comme, peut-être c'est 600. Uh-huh. Alors, on a fait un mini concours dans l'école avec les mots de l'année précédente. Avec 300 mots peut-être, mm-hmm. et on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'élèves qui se sont inscrits parce qu'ils ne savent pas quoi anticiper mm-hmm. au concours, alors ça leur donne un petit pratique. Oui, c'est pourquoi je disais qu'il faut, parmi les stratégies, impliquer les conseils d'école des parents. Oui. Et j'ai parlé par exemple avec l'enseignante de l'école dont l'élève a remporté le premier prix de l'immersion. Elle m'a dit qu'elle en a fait une pratique d'enseignant parce que, heureusement, elle est enseignante de français. Et elle en a fait sa pratique d'enseignement du cours de français. À telle enseigne que, quand la période d'inscription arrive, c'est les élèves qui viennent vers elle pour dire quand est-ce qu'on s'inscrit. Et elle, personnellement, elle aurait inscrit pour cette année seulement plus de 50 élèves de son école d'immersion. Donc, c'est ça, la promotion à l'intérieur des établissements aide à supporter. Oui, donc, elle est un peu pour motiver les jeunes, nos élèves à y aller. OK, merci beaucoup. D'autres partages, conseiller Johnson? Oui. Je vais être deux fois plus long que Claire et deux fois plus long que. Non, il est déjà presque 9 heures. OK, 2 minutes, 30 secondes. Donc. Je vais faire mon petit speech d'élévateur, comme on disait à la formation de la FOCSC. Non, sans blague. La semaine passée, vendredi passé, je m'excuse, j'ai été invité au gala du mois de l'histoire des Noirs, peut-être un peu en retard, mais c'était la seule date que l'école pouvait réserver pour cet événement. Donc c'était à l'école Sainte-Trinité, c'est mon école secondaire à Oakville. C'était une très très belle soirée. J'ai rencontré notre chère directrice de l'éducation qui était là aussi avec sa famille. C'était très bien. On a jasé ensemble et puis il y avait un député provincial, je vous en ai parlé au comité de démarchage qui était là. On a pu échanger avec lui. Un très très bon supporter ou appuyeur de notre système étant donné qu'il a ses deux jumelles sont à l'école Sainte-Trinité en 7e année. Donc, c'était un très beau spectacle. Il y avait danse, chant, poème, parade de drapeau, danse peut-être à la fin. Une danse. Oui, et puis ils ont aussi, comme les élèves qui sont venus ici, qui ont fait une peinture de Mandela. Là, il y avait un projet dans l'école pour 4 peintures différentes qui démontraient l'importance de ce mois de l'histoire des Noirs. J'ai pris une photo à la fin, on a pris une photo de groupe devant les photos, mais j'en ai pris une, je peux peut-être la faire parvenir. C'était de très belles peintures, et puis c'était une belle soirée. Ça a bien été, puis je crois que le monde qui était là a bien apprécié. Et puis je parlerai par après d'autres événements qui impliquent la FOCSC. Mais ça, c'est mon petit mot de excellent, merci. D'autres partages? Donc, on va passer maintenant à nos élèves conseillers. Luca, Cassandra, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, notre rapport, c'est le rapport de photo à nouveau. Alors, je ne sais pas si vous aimez le nouveau format, mais on va continuer si c'est apprécié par vous. Si on peut juste afficher le rapport sur les écrans. Merci. Alors, vous devez arrêter. Je m'excuse. Bien. Chantal. Bonjour.
Alors, voici notre rapport pour le 27 mars. Alors, on va commencer avec l'Académie catholique. Oui, CMT. Alors, ils ont eu la chance de faire du bénévolat à leur église Saint-Patrick à Hamilton. Alors, c'est toujours beau de voir l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur communauté. Alors, il y a un petit groupe d'élèves qui ont participé à du bénévolat pour préparer des repas pour la communauté. Et c'est vraiment beau de voir que nos élèves veulent avoir un impact et veulent contribuer à la catholicité dans leurs écoles et dans leur région. Ensuite, on va continuer avec Charbonnel. Alors, pendant le mois de mars, on a eu notre semaine d'esprit. Alors, cette journée-là, c'était pour Barbie versus Oppenheimer. Alors, pour Barbie, c'était les habits roses, et puis pour Oppenheimer, c'était des habits noirs. Ensuite, une autre journée était le tapis rouge. Alors, on a visionné des films qui mettaient en valeur les femmes, parce que c'était juste avant la Journée internationale des femmes. Alors, le film était Little Women, mais en français, évidemment. Et tout le monde est venu dans leurs vêtements formels. Puis, on avait un tapis rouge. Alors, c'était vraiment beau. C'était une vraiment beau activité. Ensuite, on va continuer avec Père Philippe Lamarche. Alors, ils ont eu un spectacle pour le mois de l'histoire des Noirs. Et on a eu aussi un spectacle similaire à Charbonnel. Et ça a vraiment permis de construire une communauté dans l'école. Ça a vraiment permis de rassembler les élèves, les enseignants, quelques parents et les membres de la communauté dans une célébration commune de la culture et de l'histoire. Et il y avait beaucoup de danse, de chants, de poèmes qui ont été lus. Et c'était vraiment comme une très, très, très belle spectacle. Et beaucoup d'élèves ont mis beaucoup de travail et beaucoup de temps à faire ce spectacle. Alors, ça a vraiment favorisé le sentiment d'unité dans l'école et de solidarité au sein de la communauté scolaire. Alors, c'est vraiment une très, très belle activité qu'on a faite. Alors maintenant pour Nouvelle Alliance, on a une de nos élèves, Chanel C, qui a remporté la médaille d'or lors des Olympiques spéciaux. Alors, ça me fait chaud au cœur de voir que les élèves qui, je ne sais pas si c'est le bon mot, qui ont des handicaps ou qui ont certaines capacités limitées, ils sont inclus dans nos activités et on les fait inclure et ils peuvent participer à certaines choses pour pouvoir se divertir et vraiment s'épanouir dans leur sport, même s'ils n'ont pas les mêmes capacités que d'autres élèves. Alors, c'est vraiment beau de voir Chanel et je la félicite, vraiment. Pour continuer, ils ont eu un concours de design pour les Jeux de l'RST. Alors, on commence à vraiment se réchauffer pour la grande compétition qui vient dans le mois de mai. Et oui. C'est pas mal tout pour Nouvelle Alliance. Maintenant, pour Périnée de Galinée, voici une de nos élèves aussi, j'aimerais la féliciter, Chloé Hadjar. Alors, elle est la gagnante de notre concours national de rédaction française. Alors, c'est vraiment beau de voir qu'une élève de Mon Avenir a gagné ce concours et elle a eu une chance de faire une entrevue sur Radio-Canada. Alors, elle a pu s'épanouir avec son leadership et je la félicite aussi. Alors, on va continuer avec SFA. Alors, plusieurs élèves de SFA ont participé au dîner annuel des Orléans-Dix au Pearson Convention Center. Et il y avait plus de 800 élèves du secondaire du conseil scolaire catholique de Toronto qui ont participé à cet événement. Et cet événement, le co-animation de cet événement se faisait en français par deux élèves de 12e année de l'école Sainte-Famille, alors Éric et Madeleine. Et dans son message, Monseigneur Léo a rappelé aux jeunes que Dieu aime chacun d'eux et que ce même Dieu a un grand projet pour eux, projet de sainteté, alors c'est-à-dire de vivre pleinement la promesse de son baptême au service de son prochain. Alors, on va continuer avec Sainte-Famille. Alors, ils ont aussi eu un spectacle pour le mois de l'histoire des Noirs. Alors, il y avait quand même beaucoup de danse et c'était très similaire à celui à mon école et puis à PPL.
Et ces spectacles de danse et de chant permettent aux élèves de s'exprimer de manière artistique et créative en exprimant leur culture africaine. Alors, c'était vraiment encore une très, très belle spectacle. Et maintenant, pour Saint-Jean-de-Brébeuf, ils ont eu l'opportunité d'avoir leur soirée porte ouverte. Alors, voici un des élèves qui a une petite affiche qu'il a créée lui-même. Alors, on voulait juste vous montrer cette belle affiche. Alors, il est futur Lynx en 2030. C'est mignon, ça. Alors, Madame Chartrand a eu la chance de participer à cet événement. Et je pense que ça s'est bien, très bien déroulé. Maintenant, pour Sainte-Trinité, ils ont eu la chance de faire un ramasse de déchets avec leur club d'environnement et vraiment d'avoir un impact sur la voie de l'environnement et pouvoir trouver quelque chose à faire sur le plan de sauver la planète. Et je trouve que c'est très beau aussi. Alors, on va continuer avec Séchard Garnier. Alors, premièrement, les élèves, le tournoi de Petit Smash pour les 7-8, Séchard Garnier a gagné. Alors, bravo à eux. Et puis, il y avait plusieurs écoles de mon avenir qui ont participé à ce tournoi. Ensuite, les élèves de la CAA, pour célébrer la journée mondiale de la trisomie 21, ils ont porté des chaussettes dépareillées avec des couleurs vives et avec un dîner pizza et de la musique. Alors, la raison qu'ils portent ces chaussettes dépareillées, c'est parce que, premièrement, les chaussettes ont l'air des chromosomes et dépareillées parce que c'est un rappel visible de la beauté, de la diversité de nos élèves qui ont la trisomie 21. Alors, je tiens vraiment ça au cœur et c'est vraiment pour rappeler la diversité et la beauté dans la diversité de nos élèves. Ensuite, il y avait une conférence Femmes inspirantes, alors parcours réalisation dans la francophonie. Alors, trois femmes dans la communauté francophone ont parlé aux élèves et c'était une véritable source d'inspiration pour les élèves. Pour tous les élèves ont vraiment apprécié leur témoignage. Ensuite, on a fait notre rencontre RECFO à Ottawa, à Rockland, cette fin de semaine. Alors, nous avons pu parler de différents problèmes auxquels les élèves partout dans la province sont confrontés parce que nous avons tous des défis différents et nous sommes également beaucoup amusés pendant les activités de la soirée. Par exemple, dans la photo à droite, c'était au bowling. Alors, c'était vraiment amusant. Oui, alors j'aimerais juste ajouter, alors on a un petit projet vidéo qu'on fait pour promouvoir le rôle de l'élève conseiller. Alors, je voulais proposer à Madame la Présidente, si c'est possible, que je prenne une vidéo rapidement de tous les conseillers qui, juste, si vous voulez saluer à la caméra, ou comme juste dire, comme mon avenir ou quelque chose, ça serait très grandement apprécié. Alors, est-ce que c'est possible qu'on pourrait faire ça maintenant? Est-ce qu'on peut le faire au break? Oui. Pourquoi? On va le faire juste entre le huis clos puis là. Donc, mais oui, puis tu vas nous dire quoi faire, parce que si tu ne nous dis pas exactement quoi faire, on va être là. Donc, merci. Alors, merci beaucoup. Juste un commentaire. J'aime mieux la manière que vous faites maintenant avec les photos que c'est la manière que vous faites avant, mais c'était vraiment bon avant, mais ça aussi, c'est vraiment, vraiment bon. Continuez. Merci beaucoup. Merci d'autres commentaires. OK. Donc, on continue. 14 avis de motion. 15 correspondances, donc il y a 3 correspondances dans la trousse. 16, la motion de recevoir un proposeur, conseillère Thibideau. Que le conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Tableau des affaires découlantes, rapport CVA 0603-2023, comité d'admission, affaires courantes, compte rendu mensuel des membres du conseil et correspondance. Merci. Appuyé par conseillère Akiar. Excuse-moi, t'as arrêté, je t'y vais après, prochaine fois. On fait pas commentaire, on passe au vote pour adopter.
17 questions diverses, on n'en a pas reçu, mais je voulais juste m'assurer que vous étiez d'accord avec changer la date de la prochaine réunion du Conseil au lieu du 24 avril. Êtes-vous en accord pour la mettre le 23 avril? Donc, le 24, si vous n'êtes pas en accord, là, c'est pas la fin du monde, mais le 24 avril, il y a un événement au Club canadien, là, avec Mme Dumont. Donc, soyez assurés que le Club canadien n'avait pas le choix de la date. Là, Mme Dumont est super occupée et puis c'était la date. C'est au Collège Glendon. Je pense qu'il y a peut-être des conseillers qui voudraient participer. C'est quand même une belle occasion d'entendre Mme Dumont, d'être là, de représenter le Conseil. Donc, est-ce que vous seriez intéressé à changer la date? Sinon, on la laisse le 24. On ne peut pas la faire. C'est le 24 avril, c'est un mercredi. On ne peut pas la faire la semaine d'après. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On a regardé les dates. Donc, la seule possibilité, ça serait de le faire le mardi, le 23. Oui. Ça marche? Oui. Okay. Donc, on va déplacer le 23. S'il y a quelqu'un qui a un gros problème plus tard, faites-nous savoir, mais on va changer la date pour le 23. Et le 22, on a la réunion du comité de vérification en passant là, pour les quelques personnes qui vont au comité de vérification. Excellent. Donc, on va passer maintenant au point 18, séance de vécu en proposant. Conseiller Jensen. Que le Conseil scolaire catholique pour l'avenir constitue en séance à huis clos à 21h04. Et c'est appuyé par conseillère Petitpas. Merci. On passe au vote pour adopter. Merci. Donc, on va prendre un break, mais là, il faut faire la vidéo à Luca. Là. Donc, on peut se déconnecter, Chantal. Et Luca va nous dire quoi faire.